Andrew Ward. Puis Semaine. Puis plus. Pinty. Enemy! OK, Belle Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Et c'est ça, encore une fois, il va de la même fin, et cette fois-ci, il réussit à marquer Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, il est même! C'est... Quel arrêt! D'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la sauce LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit dans un premier temps Yannick Tifu qui va venir nous parler un peu de sa récente grosse nouvelle de retraite. Et puis, un petit peu plus tard, on va recevoir Jean-Michel Bolduc, légende des Marquis de Jonquière, qui va être avec nous pour nous parler de sa carrière, mais aussi des séries. On est en pleine série de la LNH, donc un guerrier des séries qui va être avec nous. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Une bonne émission en vue. On va avoir du fun ce soir, j'ai l'impression. Yes, ben oui, j'ai l'impression aussi. Ça va être le fun. C'est sûr que étant un fan de Sorel, Jean-Michel Bolduc m'a fait sacrer plusieurs fois dans ma vie, mais ça va être le fun de pouvoir se rappeler de ces souvenirs-là, puis de voir ces anecdotes, puis un peu sa carrière, là, parce que c'est quand même un des grands joueurs, selon moi, là, avoir passé dans la Ligue, là, gagner 3 coupes, étant une des pierres angulaires là, de la défensive à Jonquière, donc, puis qui a eu son chandail retiré cette saison, qu'on va parler de ça aussi. Donc, ça va être le fun. Puis aussi notre ami le TIF, là, qui avait une grosse annonce en fin de semaine aussi, qui va nous parler un petit peu. Fait que, non, ça va être un bon show. Yes. On pourrait peut-être commencer par quelques nouvelles pendant que je partage le podcast dans les différents groupes, Dave. Oui, donc, au niveau des nouvelles, ben, la première nouvelle, là, je pense que ça a sorti ce matin. Je ne sais pas à quel point c'était une nouvelle en tant que telle, mais Sorel qui ont confirmé leur retour dans la Ligue l'année prochaine. Je ne sais pas si... Kissan Deschênes, dans l'article, avait l'air de dire là, qu'il y a quand même eu quelques petits doutes. C'est sûr qu'il y avait une période dans l'année où que ça allait quand même moins bien. Heureusement pour Sorel, malgré la défaite en première ronde, Sorel a très bien fini l'année. Là. 6 victoires à leurs 9 derniers matchs. C'était super serré contre la meilleure équipe de la Ligue, Laval, la première ronde. Il y a eu 2000 personnes pour les Cardins lors du dernier match aussi. Donc, c'est quand même fini sur une note plus positive. Donc, voilà, dans l'article aussi, il a mentionné 2 noms de villes que peut-être là, il y aurait des expansions. On sait les rumeurs quand ça continue de tourner un peu. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. J'imagine s'il y a des annonces, la Ligue n'attendra pas au mois de juillet pour faire ces annonces-là, là, parce que c'est quand même des choses qui doivent se préparer rapidement là, pour la prochaine saison. Mais en tout cas, pour ceux qui espèrent avoir des nouvelles équipes l'année prochaine, Christian Deschênes, dans son article, avait l'air de pointer dans la bonne direction. Puis sinon, aussi parler là, que Sorel aimerait ça ajouter des loges, tout ça pour augmenter les revenus. Donc, la partie business un peu là, que Christian Deschênes a mentionné. La partie équipe aussi, on est conscient chez Sorel que le point faible de l'équipe, c'est un peu la production offensive. Donc, aussi parler de ça là, dans ce qui va être les points améliorés pour l'équipe durant la saison morte. Donc, Sorel là, qui revient. On va parler joueur, joueur régulier, je pense qu'on parlait aussi. Ouais, aussi de peut-être avoir une plus grande liste de joueurs réguliers. On va faire le tour vite là, au niveau des suspensions. S'il y en a eu pas mal, on le sait, il y a eu quelques petites altercations dans la période d'échauffement entre Rivière-du-Loup et Laval. Donc, ça a mené à quelques suspensions. Derek Parker, Chris Cloutier ont eu 3 matchs. Danick Cagaro a eu 9 matchs. Du côté de Rivière-du-Loup, Simon Desmarais, lui, a eu 6 matchs. Puis, il y a aussi Dave Labrec de l'assurance de Thetford. Ça, je pense que c'est pour une altercation avec un partisan. Selon ce que j'ai lu, je n'ai pas vu les images ou quoi que ce soit, mais selon ce que j'ai lu, je pense que ça avait l'air d'être pour ça. Là, donc, 5 matchs, Dave Labrec de l'assurantia. Donc, plusieurs suspensions. On sait, l'intensité monte pendant les séries, donc des fois, là, ça déborde un petit peu. Mais c'est le fun de voir du côté de, malgré les suspensions, du côté de Rivière-du-Loup et Laval, que seulement après 2 matchs, la série est bien commencée.
On me dit que le communiqué des sanctions émises serait probablement demain publié, donc à suivre pour Parfait. Avoir un petit peu plus d'informations à propos des, des bon. Suspensions. Puis sinon, ben, au niveau de... ben, tu sais, on... je pourrais dire ça parce qu'on a fait le podcast la semaine dernière, c'était pas encore arrivé, mais Rivière-du-Loup qui ont accédé à la demi-finale aussi. Le match suicide n'avait pas eu lieu quand on a fait le podcast la semaine dernière. Mais sinon, dernière nouvelle, ben, je pense que ça va nous amener un petit peu à notre premier invité. Quand même, du côté du Cool FM, il y a eu trois très grosses annonces du côté là, des retraites. Donc, ben, tout d'abord, le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue, le joueur avec le plus de points, le plus de buts, le plus de tout, deux fois champion de la Coupe, Kevin Cloutier, qui était le capitaine. Donc, on va avoir un nouveau capitaine l'année prochaine à Saint-Georges aussi. Ça va être intéressant de voir qui pourrait remplir ce rôle-là. La première retraite. Ensuite de ça, il y a Raphaël Girard. Lui, il l'avait déjà annoncé un petit peu avant la fin de la saison. C'est un peu moins une surprise, mais lui aussi là, qui a remporté la Coupe à deux reprises. Une fois avec Jean-Michel Bolduc, notre invité de plus tard, et avec le Cool FM l'an dernier. Puis ben, Yannick Tiffu, donc notre l'ami du podcast, ancien co-animateur, là, qui lui aussi là, a remporté la Coupe l'année dernière avec Saint-Georges, qui a annoncé sa retraite. Dans le fond, trois très grosses annonces. Là. Ça va, du côté des fans des Cools, j'imagine que ça va faire un petit peu différent de plus voir Kevin Cloutier, Raphaël Girard et Yannick Tiffu en uniforme l'année prochaine. Mais ouais, ça va être une nouvelle ère qui va se commencer à Saint-Georges l'an prochain. Yes. Parfait. À mon côté, j'ai fini mon travail. On pourrait faire la liaison justement en intégrant notre premier invité de ce soir, le TIF. Comment ça va? Oh, on a perdu le son, là, le TIF. Non, on n'entend pas. On va bien, par exemple. On peut peut-être essayer de lire sur tes lèvres puis faire la traduction là, pour... On t'entend, là. On t'entend, là. Oui, tout est beau. Non. Comment ça va, le TIF? Ça va bien, ça va bien. Super bien. T'sais, pour de vrai, je suis triste que ça soit fini. T'sais, j'aurais aimé ça que ça continue. T'sais, quand je sais que vous allez la poser, c'est quand j'ai pris ma décision. Mais t'sais, quand j'ai pris ma décision... Fait que tu poses les questions puis tu te réponds. Ouais, je vais vous laisser la poser la question, mais quand j'ai pris ma décision. Un habitué, c'est ce que ça voulait. Je voulais que ça continue jusqu'à la fin. Tu sais, je vais aller chercher une coupe. Là. Mais tu sais, depuis que c'est fini, pour de vrai, avec le recul, tu sais, je suis bien avec ça. Je suis serein avec ma décision. Je ne suis pas. Puis il n'y a aucun remords à ça. Puis la raison pourquoi j'ai pris ma décision. C'était pour savourer les moments. Tu sais, je voulais pas prendre, tu sais, finir l'année, puis finalement, à la fin de l'été, tu sais, pendant l'été, dire « Ah, peut-être une autre année. Ah, peut-être si. Ah non, finalement, c'est fini. » Puis l'arrivée, puis dire « Colin, j'aurais dû savourer ça. J'aurais dû savourer ça. Le dernier road trip, la dernière game. » Tu sais, au-delà de la saison, comment que ça allait être, tu sais, ça a été un petit peu plus difficile côté équipe, côté personnel, ça a été un petit peu plus difficile. Fait en annonçant ma retraite, au moment où je l'ai faite, je me disais, tu sais quoi, je vais tout mettre dans un tout. Puis mes 8 ans dans la Ligue nord-américaine, mes 11 ans professionnels, mes 4 ans junior, mon hockey midget 3, mon hockey mineur, je vais pouvoir savourer tout ça en même temps au lieu de, tu sais, arriver l'été, comme je disais, puis commencer à penser, genre, ah, peut-être une autre année que je serais capable, tu sais, finir sur une bonne note. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, il fallait que je la prenne, cette décision-là. Tu sais, on ne joue pas éternellement. Puis, comme je vous dis, je suis serein avec ça, 100%. Je suis heureux de ce que j'ai accompli comme personne. Le joueur de hockey, la personne que je suis devenu. Si tu parles à Yannick Tiffu de 16 ans, quand il avait 16 ans, aujourd'hui 39 ans, je ne suis pas la même personne. Fait que je suis vraiment content de ce que j'ai pu accomplir. Là. À quel moment, pendant la saison, que tu as pris ta décision? Est-ce que c'était au début de la saison, dans ta tête, je veux dire? Je vous dirais que c'est le lendemain. Je vous dirais que c'est quand G a annoncé sa retraite. J'y avais pensé pendant la semaine. G étant Raphaël Girard, pour ceux qui ne connaissent pas le surnom. ben,
quand Raphaël Girard a annoncé sa retraite, pendant toute la semaine, je le savais que ça s'en venait. Il l'avait un peu annoncé une des games avant dans la chambre, qu'il restait 5 périodes à jouer. On le savait tôt ou tard, mais de la manière qu'il l'a fait, on perdait une game. Fait que, il dit, c'est pas vrai qu'on jouait contre Laval, il me reste 5 périodes, on va aller chercher ça. Puis, on était revenu de l'arrière contre Laval à Sainte-Marie. Puis, la dernière game de l'année, on le savait, la game à la maison qui gaulait sa dernière game. Fait que, pendant cette semaine-là, après l'annonce contre Laval, j'étais revenu à la maison puis j'ai pris le temps de parler avec ma mère, mon père, ma copine. J'ai pris la décision pendant la semaine. Ça ne s'est pas fait en 10 heures, en 12 heures. Ça s'est fait pendant une semaine. Puis quand je suis revenu à l'aréna, j'en avais parlé à Dom Lapensée, à Larry, à Ray, que c'était ma dernière ride, mais je ne voulais pas non plus l'annoncer parce que je me disais, tu sais, G vient de l'annoncer, je ne vais pas step par-dessus lui, tu sais, je vais prendre le temps de finir l'année, puis pas parce que j'allais regretter ma décision, c'est juste que G savourait son moment, c'est un coéquipier tellement hors pair, puis au-delà d'être un coéquipier, c'est un frère, c'est un chum, fait que tu sais, je le laissais savourer, puis je me suis dit, tu sais, à la fin de l'année, ça sera le moment de l'annoncer. Au niveau de ta décision, penses-tu que le fait d'avoir gagné la coupe l'an dernier, ça a quand même facilité la décision? Oui. Je ris parce que ma blonde, quand j'ai annoncé ma retraite, elle m'a dit, tu sais, si tu veux en jouer une dernière, je vais être avec toi. Si tu veux pas en jouer une dernière, je vais être avec toi. Je vais te soutenir dans ta décision. Puis quand je dis non, c'est fini, elle dit, finalement, je te l'avais dit que tu aurais dû te retirer l'année passée. Hein? Je te courbe un peu. puis non, c'était correct, tu sais, c'était une bonne crack qu'elle m'a lancée, puis j'ai trouvé ça drôle pareil. Mais est-ce que oui, ça l'a aidé? Oui, tu sais, je veux dire, quand j'ai été changé, je l'ai marqué dans mon texte en 2019 pour aller à Trois-Rivières. Je voulais revenir à Saint-Georges, puis j'avais toujours dit, quand Dean Legitsaka c'était le premier à venir me chercher pour m'amener à Saint-Georges, j'ai dit, tu sais, je partirai pas tant et aussi longtemps que j'en irai pas un championnat à Saint-Georges. Puis c'était mon objectif. Puis j'étais content en 2019 de revenir à la maison pour pouvoir gagner un championnat. Je pense que la ville de Saint-Georges, les partisans, les propriétaires, l'organisation en méritaient une. Ça commençait à être long. Fait qu'est-ce que oui, ça l'a aidé, Dave? Oui, là, c'est sûr. J'aurais pas gagné l'année passée. Cette année, ça aurait été plus difficile. Est-ce que j'aurais pris ma retraite? Peut-être pas. Peut-être. Je le saurais jamais. En tout cas, moi, j'aurais donné peut-être mon opinion là-dessus pour les trois retraités quand même. À vous voir aller aussi avec comment que c'était dans la chambre, l'esprit d'équipe, puis la façon que vous en parliez quand on vous a reçu, quand on vous a vu sur la glace. Je pense que tout le monde, ça leur tentait d'en faire une dernière, parce que, dernière avec les boys, tu sais. Puis ce qui est, c'est un peu la même chose quand j'ai joué dans la cause, puis je l'ai gagné. Tu sais, l'année d'après, j'aurais pu partir en Europe, j'aurais pu partir en France, puis peut-être ménager un peu plus le corps. Puis la raison pourquoi j'avais resté, c'est que c'est la même raison pourquoi je ne le crois pas encore. quand tu gagnes un championnat, l'année d'après est toujours plaisante, pareil, parce que tu te dis, OK, je vais voir la levée de la bannière, je vais revoir mes coéquipiers, je vais redéfendre mon titre. T'sais, c'est un autre game. Tu l'as gagné, là, tu vas la défendre. Tu sais, la défendre est complètement différente. Merci Jean-François, merci beaucoup. Est-ce que c'était dans un sens, pour répondre à ta question en même temps que Dave tout à l'heure, est-ce que gagner la Coupe a aidé à cette année? Oui, mais est-ce que ça l'a aidé à... Est-ce que ma décision était que j'aurais dû prendre ma retraite comme quand ma blonde m'a collé, t'aurais dû? Non, parce que je voulais le revivre. Comme quand je suis revenu, je voulais vivre ce moment-là de défendre notre championnat, de voir notre bannière se lever, de revoir mes chums. C'est un autre game. Tu peux en parler, Dave. Vous en avez gagné deux de suite à Sorel. Vous avez parlé à Bolduc tout à l'heure. Il en a gagné deux de suite à Jonquière. Tu sais, le repeat est toujours le fun. Essayer de garder ce que tu as gagné, c'est toujours le fun aussi. J'ai une petite question aussi. On n'en a pas parlé, mais l'autre retraite là, de Kevin Cloutier, celle-là, est-ce que vous le saviez également que c'était la dernière là, pour Piper? Ben, un petit peu, on commençait à le sentir du côté à Pipe, là, tu sais, veux pas, tu sais, Pipe, encore ce qu'il a accompli à ce jour, cette année,
Je ne connais pas ses stats, mais c'est quand même assez incroyable ce qu'il a accompli pour lui. Ses stats, pour le monde qui écoute, qui suit la Ligue nord-américaine, Kevin Coutier jouer 200 pieds, jouer sur le piqué, bloquer des shots. C'est complètement incroyable ce qu'il fait à son âge. Est-ce qu'on s'en doutait? Oui. Quand j'étais dans l'autobus, puis j'ai pris le temps de parler à certains gars, après mon annonce, on est parti la fin de semaine d'après, puis on était sur la route. J'étais assis tout le temps à côté de Kevin, puis Simon Demers dans l'autobus, j'ai Anthony Verrette en arrière dans l'autobus. Fait que j'ai eu la chance de parler à Break Pipe, que c'était mon last ride. Puis il m'a dit « moi aussi, Tiff ». Fait que je m'en doutais. Quand il m'a dit « moi aussi, Tiff », ça fait quand même 3 ans qu'il dit « c'est ma dernière », puis c'est jamais sa dernière. Fait que merci, Félix. Fait que je me disais, est-ce que c'est vraiment sa dernière, ce coup-là? Oui ou non, je le sais pas. Mais Kevin, on s'en doutait un petit peu. Là. Il en restait moins qu'il en restait, on va se le dire. Là. Il avançait. Moi, je pense qu'il aurait pu en jouer un autre. Il est encore capable. Tu sais, aussi, Kevin, il y a la famille, il y a du monde, ses enfants, ses amis. T'sais, à un moment donné, quand tu l'as fait pendant si longtemps aussi, tu veux savourer d'autres beaux moments qui t'attendent dans la vie. Fait que, c'est un autre mode de vie qui va commencer pour Kevin, pour G. G qui a un petit bébé aussi naissant de l'année passée. Là, on a eu une couple là, qui sont toutes nées en même temps. Là, Alan Caron, Verrette. Fait que, tu veux profiter de d'autres moments dans ta vie aussi. Là. J'ai deux dernières petites questions par rapport à ça. Numéro un, Kevin Cloutier s'est retiré. Qui, selon toi, dans la chambre du cool, ferait un bon remplaçant comme capitaine? Oh boy! Puis pour de vrai, je vais être franc avec toi, puis c'est pas que je veux contourner la question, puis là, je vais être politically correct, là, parce que j'ai fini ma carrière, fait qu'au bout de la ligne, le politically correct, je suis pas obligé de le faire. Je veux dire, je peux répondre ce que je ressens. Il y en a beaucoup dans cette chambre-là. Des gars qui vont revenir avec le championnat de l'année passée, il y en a énormément qui pourraient prendre cette lettre-là. Est-ce qu'avoir une lettre sur un chandail, c'est vraiment si important quand tu as des gars qui ont gagné dans une chambre? Je pense que tout le monde peut amener son leadership. Tout le monde va être de retour. Là. Il y en a plusieurs qui vont être de retour. Mais on ne sait pas avec le draft d'expansion. On ne sera pas de cachette s'il y a deux équipes qui rentrent. Mais, Il y a une expansion. Mais si j'arrête à dire un Mathieu Gagnon, un Maxime Lacroix, un Anthony Verrette, je peux te faire le tour, là, t'en as des plus silencieux, t'en as des plus vocales, y en a-tu d'autres? Max Lacroix, est-ce que ça serait un vocal? Non, mais est-ce que ça serait, par exemple, à 100%? C'est pas Max, il parle pas souvent dans la chambre, mais quand il se lève, il dit quoi? T'écoutes en tabarouette, là. Anthony Verrette. Charlie Tremblay, tôt ou tard, il est jeune encore dans la ligue, mais c'est un gars que tôt ou tard, c'est un gars qui est rassembleur. Je veux pas en oublier Maxime Chagnon, il y en a plein, des gars qui étaient là, qui ont déjà gagné avant dans le passé. Fait, je ne le sais pas, mais une lettre sur un chandail, je pense pas que c'est si important. Quand tu as une chambre qui est forte, qui est capable d'être unie, qui est proche un de l'autre, une lettre change absolument rien. Quand tu as parlé, puis tu le fais, puis that's all. Là. Pour faire une parenthèse, je pense que c'est pour la première fois cette année que tu appelles Anthony Verrette et non le kit Verrette. Ouais, c'est vrai. Des choses qui ont changé. Hein. Monsieur. Finalement, le kit Verrette et plus le kit Verrette. Là, il y a un enfant, C'est lui le kit Verrette. Son gars, c'est le kit Verrette. Lui, mon autre petite question, c'était. Je suis un gars de stats. Tu finis ta carrière avec 298 points dans la Ligue nord-américaine. Ça se peut-tu que tu te rabais juste pour une ou deux games pour pogner ton 300? Absolument. Tu le bats deux games là, juste pour avoir la sensation. Hey, ça va être comme le film, là, Monsieur 2000. Tu sais, le film de baseball, là, Monsieur 3000, que finalement, il est revenu et il a fait 2999 pour ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Là. Mais tu sais quoi? Au bout de ça, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. Que je fasse 2 points de plus, que j'en fasse pas. Il n'y a rien qu'on ne peut pas m'enlever. Le championnat qu'on a gagné. Puis, au bout de la ligne, c'était juste ça. Puis, je suis heureux avec ça. Que j'en fasse 2 de plus, que j'en fasse 5 de plus, que j'en fasse 6 de plus, ça va faire quoi au bout de la ligne? Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Au-delà de ça, quand j'ai rentré dans la ligue, oui, je voulais gagner un championnat, mais je voulais continuer ce que les gars avant moi ont commencé, que ce soit la génération avant moi à aujourd'hui.
Puis mon objectif, c'était que la Ligue nord-américaine, dans 10 ans, elle dure encore. Puis tu sais, si j'ai pu aider à ça, c'était ça l'important. Tu sais, je pense que les plus jeunes qui vont s'en venir, qui jouent universitaire, qui ne savent pas s'ils vont aller pro, qui vont venir ici, c'est ça mon objectif. Puis tu sais, personnellement, je peux être fier de ce que j'ai fait, que ça a été avec vous autres au podcast quand les premières années, on a commencé à s'en aller, Seb, vers le podcast Ligue nord-américaine. Mm-hmm. C'était ça mon objectif. Puis je suis content. T'sais, si la Ligue peut rentrer deux autres équipes, qu'on soit en santé, qu'on continue, qu'on se rende à 10 clubs, 12 clubs, puis les équipes soient en santé, c'était ça mon objectif au bout de la ligne. Puis je vais continuer à le faire. Puis je vais continuer à aller voir des games, que ce soit à Sorel, à Laval. C'est sûr, je vais aller à Saint-Georges. T'sais, je vais aller voir des games. Je veux continuer à promouvoir la Ligue. Ça va me faire plaisir de venir sur le podcast une fois de temps en temps. Continuer à promouvoir, puis c'est important. On est chanceux d'avoir une ligue au Québec qui nous permet de faire notre passion, de gagner un petit peu d'argent avec ça. Puis, tu sais, c'est la beauté que j'ai eue pendant 8 ans d'avoir la chance de le faire. Puis, je souhaite qu'il y ait bien des gars qui le fassent pendant des années. Tu es un bon ambassadeur, le TIF. Puis, merci. Ben, il y en a eu avant moi. Puis, moi, j'ai juste continué ce que les anciens ont continué. Puis, tu sais, regarde Martin Larivière, il a joué. Maintenant, il coach. Tu sais, je veux dire, tout le monde a ça à cœur. C'est comme notre petite. C'est toute notre petite ligue nationale à nous autres. Puis, on n'a peut-être pas atteint la ligue nationale, mais tu regardes les séries en ce moment, l'intensité entre Laval, Sorel, Jonquière, Thetford. Pour nous, c'est toute notre petite Coupe Stanley à nous autres. Fait que, puis c'est ça qu'on aime faire, puis on le fait par passion aussi. Là. Si on se parle aussi au podcast là, chaque semaine, moi, Dave, peut-être plus cette année, mais avec toi les autres années, quand même, on va se le dire, on se rappelle là, de l'émission LNH démystifiée. Tu sais, on peut dire que ça a parti pas mal de là, l'idée. Et maintenant, on en est là. C'est grâce à toi, le TIF. Okay. Ben, c'est grâce à vous autres aussi. Vous l'avez continué. Moi, je vous ai aidé dans tout ça, mais vous l'avez continué et vous l'avez fait d'une bonne manière. Puis, je veux dire, au bout de la ligne, vous avez des obligations d'envie aussi. Là. Vous avez d'autres choses à faire puis vous le prenez le temps tous les mardis. Puis je sais que faire un podcast, c'est pas... Mardi matin, tu te lèves et tu prépares ça, tu sais, pour l'avoir vécu avec vous autres, puis avec LP, avec, tu sais, on l'a fait pendant longtemps, puis c'est pas facile à préparer, là. Fait que, tu sais, le monde, des fois, en arrière, qui écoute, là, tu sais, ils font tout un job, là, comme je vous dis, c'est pas si facile que ça, préparer un podcast, s'il le fait pas à la dernière minute non plus, fait que, chapeau à vous autres aussi, là, d'avoir continué ça, puis j'espère que ça va continuer pendant des années, là. Peut-être une petite dernière question. Je vois aussi Simon Chang qui demandait si le coaching t'intéressait. Moi, je vais te demander, c'est quoi tes projets là, de retraite? Là, tu vas faire quoi? Tu vas t'occuper de quoi? Là? Ben, tu sais, je vais faire ça parce que je pense que Beau y attend. Je veux pas prendre trop de temps. Je l'avais dit aussi. Oui, je veux coacher. C'est ma passion, le hockey. Pour moi, c'est tout. Là. J'ai besoin de mon sirop. Parfois, on fait un échange, mon G. Le hockey, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Oui, j'aimerais ça coacher. Je suis déjà avec des pourparlers, non pas la Ligue nord-américaine, mais des pourparlers, j'aimerais ça coacher. C'est là que je vais m'en aller. Est-ce que je veux prendre le temps pour ma petite famille, mon petit gars qui est rendu à 15 mois, que j'ai peut-être pas eu la chance de voir grandir dans les 15 derniers mois avec la run en playoff l'année passée, nos week-ends partis. J'aimerais ça beaucoup passer du temps avec ma blonde, ma famille, mes amis. Je veux avoir la chance de... Tu sais, une fin de semaine, il dit hey, on s'en va à Tremblant jouer au golf. Ah, je peux pas, j'ai ça. Tu sais, tu comprends? Tu sais, je veux profiter depuis l'âge de 15 ans que je suis parti de chez nous. Je veux profiter de tout mon monde. Puis oui, comme je vous dis, je vais coacher pour que je prenne ma décision vite. Tu sais, Seb, là, tu travailles avec le Collège Charlemagne. Les camps d'entraînement vont commencer dans pas long. Fait que, tu sais, est-ce que en ce moment, je suis déjà en pourparlers? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Puis oui, être derrière un banc, c'est mon objectif premier. Là. J'ai toujours aimé la game. Je suis un passionné. J'aime étudier la game. Je le fais tous les soirs. Fait que, on va prendre tout ce temps-là. On va tout mijoter ça. Mais c'est sûr et certain que je vais passer plus de temps avec mon petit garçon et ma petite famille. Là. Ça va me faire du bien aussi. Là. Good. Bon, ben, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Dave. Sinon. Non, ça fait le tour. Ben, tu sais, j'en aurais toujours. Ouais. Les j'avais highlighté. Puis, tu sais, pour celui qui s'en vient, Beau, là, vous n'avez un vrai, parce que, tu sais, j'ai eu la chance de jouer junior contre, puis j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nord-américaine. Quand on parle d'un vrai, qui est un vrai, qui avait sa ville à cœur, puis qui a joué chez eux, pour de vrai, chapeau à Beau, man. Il a eu toute une carrière, puis, tu sais, quand ils ont dit que c'était un vrai, là, il allait à la guerre pour ses coéquipiers en tabarouette. Fait que, chapeau à sa carrière, à lui aussi, on s'est parlé un petit peu juste avant, avant qu'on rentre en onde, là, mais
T'entends, là. C'était un vrai de vrai pour vrai, là. Il était tough à jouer contre, il était fatigué en tabarouette, mais t'es respect ces gars-là parce qu'ils jouent la game. C'était un dédié pour sa ville, pour son équipe. Il était fier de porter son chandail de sa ville. Fait que chapeau à sa carrière à Beau, puis vous avez tout un invité ce soir. Bien sûr. Merci, Latif, au nom de, on va dire, de la Ligue nord-américaine, des partisans qui nous écoutent probablement. On serait pas mal tout unanime pour te dire un gros merci pour tes 8 saisons dans la LNH. Félicitations pour ta carrière de hockeyeur. Puis, je pense que c'est la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Un autre chapitre qui commence, c'est correct. Puis merci à merci aux partisans de Saint-Georges-de-Beauce pour les 8 ans. Je l'ai écrit dans mon texte. Mais merci aux fans de la Ligue nord-américaine aussi. Merci à vous autres. Je le dis souvent quand je viens sur le podcast, mais ça vient du fond du cœur. C'est à cause de vous qu'on est ici. Puis je vous remercie beaucoup. Puis ça va me faire un plaisir de ceux qui m'ont chirpé dans les estrades. Puis qu'aujourd'hui, on va pouvoir prendre une bière ensemble quand je vais aller voir des games. Ça va me faire plaisir parce que sans vous autres, on ne serait pas ici. Fait que merci à tout le monde qui écoute le podcast, les fans de la Ligue nord-américaine. Puis mes fans à moi, Saint-Georges-de-Beauce, merci. J'ai hâte de vous voir l'année prochaine. C'est sûr, je vais venir voir une game. Ça va me faire plaisir. Moi aussi, je suis ton fan de toi, Tiff. T'es aussi mon modèle. Fait que je... Ouais, mais t'es pas comme Shaggy. Lui, Shaggy, il a vraiment acheté un bobblehead de moi. Il l'avait dans son casier. Il est incroyable. Maxime, j'ai un bobblehead de moi qui a acheté. J'en ai un bobblehead, moi aussi, t'as raison. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Je vous aime fort. Hein. Puis attention à vous autres. Salut, yes. Tiff. Attention à toi. Bye. Salut. Yes. Donc, yes, on s'en force. on va y aller avec... Je vois les protèges là. Il en avait déjà parlé de cette histoire. Mais on va y aller avec notre invité là, sans plus attendre. Oui. Jean-Michel Bolduc, comment ça va? Ça va bien, merci vous autres les boys. Okay, oui, Jean-Michel Bolduc des Marquis de Jonquière, la légende. Comment t'as trouvé Yannick Tiffu là, qui a parlé de toi? Ben, il n'a pas compté de m'entrer. Je vais vous dire que... T'es un vrai, t'es humble. Non, en voulant dire que mon équipe, je l'avais à cœur, puis ma ville, ma région, c'est super important pour moi, puis c'est important que les gars qui viennent jouer à Jonquière viennent pour gagner, qui viennent pas pour le fun de venir ramasser le pays. Tu sais, je voulais pas que ce soit un country club, jamais. Je voulais que ça soit sérieux et que ça soit professionnel dans ce sens-là que je parle. Puis, dans le sens aussi que tu sais, des gars, j'en ai défendu une coupe et je l'ai fait respecter mon équipe. Tu sais, de ce côté-là que je trouve qu'il n'y a pas qu'on te demander. Mais merci beaucoup Yannick, je l'apprécie. C'est le fun d'entendre. En pleine série éliminatoire de la LNH. Toi, t'as connu ça, les séries, t'as gagné la coupe 3 fois. Je pense que t'es un invité parfait là, pour venir nous parler des séries, mais de ta carrière également. Tu viens de le dire un peu, tu sais, puis on a vu des messages, là. J'ai vu Jean-Michel Tremblay qui avait écrit là, sur un commentaire là, de l'annonce du podcast là, qu'on pourrait parler de tes blessures à toi et Louis Tremblay pendant 2 heures. Là. Ouais. On parlera peut-être pas pendant 2 heures. Je ne sais pas si tu as beaucoup de temps, mais je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu suis un peu les séries de la LNH encore, le hockey de la Ligue? Oui, quand même. Tu sais, nous autres, on est marqués à Jonquière, on est sages à Chicoutimi. Je vais vous dire que depuis que j'ai quitté le junior, j'écoute pratiquement juste j'écoute les games du Colorado à TV, là, ça c'est sûr, mais le hockey de la Ligue nord-américaine, je l'écoute, je le suis. Ça m'est même arrivé la game 4 à Rivière-du-Loup, je l'ai écouté sur le site de la Ligue. J'aime ça, puis mon grand chum, c'est Louis Tremblay qui coach. Fait que j'aime ça y suivre, puis de les encourager, tu sais. Ça reste une partie de moi, cette équipe-là. Avant le show, tu avais dit également qu'il y avait encore quelques joueurs avec qui tu avais joué là, ouais. De l'époque. Oui, il reste. Il y a Philippe Paradis qui vient de Normandin. Normandin, je ne sais pas si vous savez un peu c'est où. Là, c'est un,
une heure et demie de Jonquière. Après ça, il y a Christian Ouellet de Saint-Prime. C'est au lac aussi. Puis Jean-Simon Allard de Matabatchouin. Ouais. J'ai marqué le but gagnant dans le match numéro 5. Yes, yes, je sais pas, je parlais avec, je suis allé voir après la game, puis je parlais à JS, tu sais, je lui demandais sur sa dernière, puis il ne sait pas, c'est tout le temps sa dernière, c'est le même que c'est, hein, tu sais. Puis il dit, mais tu sais, on joue pour scorer, ben pas on, mais il parlait de lui, il dit, je joue pour scorer des buts de même, là. C'est ça qui est trippant, hein. Si tu fais gagner ton club en overtime, les playoffs, hein. C'est un mot du beau feeling en dedans de toi. Là. Toi, que le logo là, des Marquis tatoué là, sur le chest, de voir l'équipe de cette année, là, est-ce que ça te rappelle un peu tes années? Là, d'avoir, on a quand même une couple de joueurs là, qui sont capables de tout faire. Beaucoup de joueurs locaux aussi. Oui, vraiment. Je vais vous dire, je suis vraiment fier de... Des gars de la région qui sont là, tu sais, Simon-Claude Backburn, puis Marc-André Terrien, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils jouent au hockey, c'est des gars qui sont en forme, puis ils en donnent pour l'équipe, en maudine, là. Tu sais, c'est sûr que t'as des gars de talent comme Alex Picard, mais c'est ces gars-là, c'est des gars qui ont... Ils suivent un peu qu'est-ce que j'ai instauré en tant que culture. C'est des gars qui sont fiers de porter l'uniforme. Puis tu vois qu'ils ont cette équipe-là à cœur. Ça en prend des gars de la région qui prennent ça à cœur puis qui sont fiers de porter l'uniforme. Ça attire du monde. Le monde de la région, puis le monde du lac. Puis c'est pour ça qu'on a des bonnes foules. On a des gars de la région. Puis, parlant de culture, en tant que fan de Sorel principalement, là, il y en a deux qui sont rendus chez nous maintenant que je pense qui ont vraiment suivi dans ton... Dans ma lignée. C'est ça, ta manière d'éduquer. Là, je parle des frères Malouin. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur eux? Parce que quand on parle de gars dans la ligue, justement, qui ont vraiment la même mentalité que toi, tu avais quand tu jouais, c'est ce genre de mentalité-là. Ouais, tu sais, tantôt, avant le podcast, je parlais avec Seb, puis je disais, tu sais, moi, j'en avais deux, je vais revenir au Malouin, là, deux secondes, j'en avais deux, là, Kennel, Alexandre Kennel, puis Hugo Carpentier, qui descendaient de Gatineau toutes les fins de semaine, faisaient 6 heures de route pour venir, 6 heures de route pour y retourner, tu sais, je disais, ça, c'est deux vrais, puis je vais prendre dans mon club demain matin, mais c'est la même affaire pour les frères Malouin, tu sais, eux autres, c'est des gars qui vont jouer. Moi, ce que j'aime personnellement, ce que j'aime le plus dans l'attitude d'un joueur de hockey, c'est un gars qui vient jouer pour gagner. Pas un gars qui vient pour flasher ou faire des points ou ramasser sa paye. C'est un gars qui vient pour gagner et qui veut jouer à la game. Puis ça, c'est des gars de même qui sont prêts à faire des sacrifices puis à hypothéquer le corps. Tu sais, pour gagner, peu importe où tu joues, faut que tu joues avec ton corps puis tu l'hypothèques d'une certaine façon. Puis tu sais, on parlait, ça le disait tantôt, Jean-Michel Tremblay a dit on pourrait parler 2 heures de mes blessures, mais j'ai un peu raison. Là, j'ai arrêté à 33 ans parce que j'avais trop mal à la tête. Puis je l'ai défendu, mon équipe. Puis des doigts cassés à cause des block shots, je pensais combien de temps à piquer d'une game en me tirant devant tout ce qu'il y avait de rondelles. ces gars-là, c'est ça pareil. Tu sais. Puis ces gars-là, ben, c'est des gars qui sont fiers et ils ont toujours apporté le sérieux à Jonquière. Puis, tu sais, c'est des vrais. Là. On parlait de vrais tantôt, là, mais c'est des vrais. Là. Tu sais, des gagnants dans l'ombre. Ben, c'est des gars comme ça que tu es dans ton club. Dès qu'on parle un peu de ta carrière, on va revenir chronologiquement aux Marquis un petit peu plus tard. Ouais. Tu as gagné 3 championnats avec les Marquis, mais tu en as aussi gagné un. Tu en as aussi gagné là, au niveau junior, notamment avec l'Océanique de Rimouski en 2004. Tu as commencé ta carrière avec les Remparts de Québec. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ta carrière junior? Pour ceux, juste vite, pour ceux qui ne savent pas aussi, quatrième overall dans le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, c'est quand même pas rien, top 5. Là. Je dirais même,
9 positions avant Alexandre Picard, le capitaine des Marquis présentement, avait été repêché avant lui. Exact, exact. Mais Alexandre, ça fait longtemps que je le connais quand même. Il y a, on jouait quand j'étais dans mon hockey mineur, là, nous autres, dans la région, il y avait juste du 2B. Il n'y avait pas de 2A puis il n'y avait pas de 3 l'été. Fait que je montais tout le temps à Québec, je jouais avec les Bulldogs à Québec. Puis mon hockey d'été dans le 3A, je jouais avec notamment Alexandre Picard. Fait que, ça fait longtemps. Là, j'avais 10 ans que je l'ai connu pour la première fois. Là. Mais oui, par rapport à ma carrière junior, tu sais, avant le junior, j'ai mon hockey mineur et mon midget 3 aussi. Là. Puis, tu sais, dans mon hockey mineur, c'est là que j'ai appris à gagner. J'ai des années qu'on ne perdait pas une game, puis tous les tournois qu'on faisait, on les gagnait. Puis, tu sais, on était super forts. Là. On est trois de cette année-là qui ont joué junior majeur, puis dans la région, on était dans le 2B, on n'était pas dans le 2A. Fait, on avait des super de belles années, on était extrêmement dominants. Fait, j'ai appris jeune à gagner. Après ça, en arrivant... T'as appris jeune, t'es né à Parkland, aux États-Unis, pas pour rien aussi, ton père était un joueur de hockey. Exactement, mon père jouait 19 games avec les Nordiques à Québec dans le National. Dans le temps que mes parents m'ont eu, mon père jouait encore dans la Ligue américaine. Il jouait pour les Portland, les Maine Mariners, qui s'appelait. Là. Il jouait à Portland. Fait que c'est pour ça que je suis né aux États-Unis avec la double citoyenneté. Ensuite de ça. En arrivant junior, j'ai eu un très bon début de carrière à 16 ans, une super de bonne année. Puis après ça, à 18 ans, j'étais allé à Rimouski. Je me suis fait repêcher au Minnesota. Super de bon premier camp aussi. Je suis resté longtemps. Des bonnes expériences. J'étais allé, tu sais, mes 4 années au Minnesota avec les camps l'été et tout ça, j'ai été super bien traité. Puis j'ai vu c'était quoi la vie de pro. Puis ça prend des machines. Pour jouer dans la Ligue nationale, là, c'est très sérieux. Les gars, là, tu sais, dans le temps que moi j'arrivais à 18, 19, 20 ans, tu sais, c'était Stéphane Veilleux, Mikko Koivu, c'était tous des gars qui ont joué dans le national, mais ils étaient une coche au-dessus encore à cet âge-là. Fait que, t'as été repêché, le premier choix du Wild de l'année que tu as été repêché, c'était Brent Burns aussi. Exactement, ouais, j'ai passé beaucoup de temps avec Brent Burns, qui avait signé son contrat, il était libre comme l'air, il avait son auto là-bas, il me déplaçait. T'es-tu aussi spécial qu'Aster avec ses animaux et tout ça? Ou... Incroyable! Il est incroyable! C'était très spécimen. Il y a bien du monde qui dit que je joue à Game Tough, puis que c'est mon identité, mais lui, il attend, s'il vous plaît. Là, des journées dans la chambre d'hôtel à chamoyer, puis à se donner des coups de poing. Là, on en faisait, puis, tu sais, à un moment donné, il fallait que j'abdique parce que c'est un vrai de vrai. Pour qu'il te fasse abdiquer toi. Ouais, c'est ça. Il était fatiguant, là. Fait que, il y a ça dans lui, puis tu le vois à la TV. Puis après ça, on avait 18 ans, j'ai une bonne année. Je jouais avec les deux années que Sidney Crosby a joué à junior, j'ai joué avec à Rimouski. Première année, on a bien fait quand même. Puis deuxième année, c'est ça. On a eu un début de saison plus difficile. Puis après ça, ça a vraiment steppé. On était au-dessus de 30 games sans défaite. On a perdu une game dans la série. C'était contre les Seigles, l'année qu'il y avait Dernay, Boisclair, Lachec, Zagraban. Il y avait du stock pas mal. Nous autres, ils avaient réussi à nous battre une fois. Puis après ça, on s'était rendu en finale à Coupe Memorial contre les Knights de London. Corey Perry. Ouais, il y avait Perry, Schramm, Boland, Fritchie, Severet, Meta. Ah, il y en avait. Je pense qu'ils sont 7 à avoir joué dans l'Union nationale de cette année-là. Ça a été super agréable. Puis après ça, après ma carrière junior, moi, j'avais des offres de contrat que j'ai refusé pour des raisons personnelles. Là, puis après mon année 20 ans junior, j'étais encore au Minnesota.
Puis il m'avait fait signer un contrat de Ligue américaine East Coast. Je suis allé dans East Coast, puis là, le premier voyage des games hors concours, j'étais à Beaumont, au Texas. Je m'en allais en Floride dans un autobus avec des bunk beds, des coquerelles dedans. Hey boy! Ça a pas fait, là, je me suis dit, c'est pas pour moi, là, tu sais, là, j'aimais ça, le hockey, là, mais j'avais pas envie de vivre tout ça, fait que je suis revenu chez nous, puis j'ai pris une pause, j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai pris du temps pour moi, puis après ça, l'équipe de Jonquière m'a demandé d'aller. Viens commencer à pratiquer, puis tout ça. Puis, je suis allé pratiquer, j'ai recommencé à jouer, puis la flamme s'est rallumée. Puis, comme ça, dans la Ligue centrale, là, à cette époque-là, je pense. Les ouais, on s'appelait Paulvin Construction. C'était une compagnie de construction de Ville-l'Abbé, là, au Saguenay. Puis, ça a fait un an ou deux. Ça, on s'est appelé 98.3 FM dans la Ligue Senior 3A. Massant, c'est même ça s'appelait. Puis après ça, on a fait notre entrée dans la Ligue nord-américaine 98.3 première année, puis après ça, ou deux ans peut-être. Puis après ça, on a pris le nom des Marquis. Puis c'est une belle fierté pour la région d'avoir pris le nom des Marquis comme nom de l'équipe. Senior à Jonquière. Tu sais, les jeunes s'identifient beaucoup. Tu vois dans la rue les jeunes avec le manteau, puis le tuc, les casquettes, des Marquis, mais des Marquis de leur catégorie d'âge, finalement. Il y a plusieurs équipes qui s'appellent les Marquis là, à Jonquière. Exactement. Toutes les équipes du hockey mineur. Du régional, là, tu sais, le 2B, là, c'est les Marquis. Fait que ça crée jeune un sentiment d'appartenance et une fierté. Même l'équipe des Marquis de Jonquière, Junior 2A, c'est une super de bonne équipe. Tu sais, ils ont perdu Game 7 cette année en finale. Je pense qu'ils ont 5 championnats dans les 10 dernières années. Fait que c'est ça. Je vais recommencer à jouer. Puis, la flamme est revenue, on a commencé à avoir des gars qui sont rentrés dans le club. Au début, quand on a fait l'entrée, ils ont fait venir plein de gars de l'extérieur qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Puis moi, je suis pas un gars qui est là pour jouer pour le fun. Là. On joue pour. L'important, c'est d'avoir du plaisir, là, mais du plaisir, moi j'en ai en gagnant. Je voulais des gars qui voulaient avoir du plaisir en gagnant dans mon équipe. Fait que tranquillement, on s'est monté un club, puis Carpentier est arrivé, après ça, Paiement. T'sais, moi, je jouais avec le Paiement, on avait la même âge, on a joué au moins 17 ans ensemble. Là. Ça a toujours été un maudit bon défenseur. Il était repêché, je pense. Début de deuxième ronde, mon année de repêchage junior. Ça peut être le fun à vous affronter comme paire de défenseurs. Non, quand Canel est arrivé, là, Alex Canel, la première fois, là, il arrivait d'Europe, il jouait en France, en Magnus. Là, ça a gagné en glace, tout ça. Puis là, il est arrivé au camp d'entraînement, il jouait avec Carpentier, sa même ligne. Puis on faisait des drills de bas de zone, puis on était moi et Pim ensemble, puis on te le martelait tellement. Puis là, à un moment donné, il fait aller voir Carpentier, il dit « Qu'est-ce que c'est ça, c'était là? » Fait que c'est ça, tu sais, on n'était pas le fun ça, pendant les games, on n'était pas le fun d'être pratique avec nos gars non plus, il n'y avait pas ça nous affronter. Puis, c'est ce qui faisait notre marque de commerce. Puis tu sais, dans ce temps-là, la Ligue était plus permissive un peu, là, tu sais, les coups de bâton, les crochets, les slash. C'était plus toléré un peu, fait qu'on a profité, disons. je voulais revenir un petit peu sur ton passage junior, parce qu'on peut un peu pas passer à côté là, du fait que tu as joué avec Sidney Crosby. Ouais. Je voulais savoir, tu as été échangé
à Rimouski l'année que Crosby est arrivé là-bas. Est-ce que c'est un petit peu, tu étais quand même un grand défenseur, tu venais de te faire repêcher dans la Ligue nationale, défenseur robuste, Crosby arrive, tu es un joueur aussi qui est pas, t'es pas un tough, si on veut, dans le sens que tu joues 20 minutes et plus par match et tout. Est-ce que c'est un petit peu une des raisons pourquoi tu penses que Rimouski t'a allé te chercher? Ben, c'est... Dans le fond, c'était les Tanguy qui avaient les deux équipes. Okay. Moi, mon année 17 ans, comment est-ce que ça s'est passé, l'échange? C'est à mon année 17 ans, on allait à la Coupe Memorial à Québec, on était l'équipe haute. Mm. Puis l'Océanique de Rimouski avait un défenseur, il s'appelait Aaron Johnson. Il joue dans la Ligue nationale, il joue à Columbus. Mm. Puis ce qu'ils ont fait, c'est Rimouski a envoyé Aaron Johnson à Québec pour la Coupe Memorial où on était l'équipe haute. Mm-hmm. Puis ils m'ont échangé, mais pour l'année d'après, okay. à Rimouski. T'sais, Rimouski, il avait déjà il avait été cherché. Ben, il y avait Marc-Antoine Pouliot, qui était le deuxième choix au total. Mm-hmm. Après ça, il était le troisième. Il y avait Danick Jasmériel, qui était le deuxième. Marc-Antoine Pouliot, qui était le troisième. Moi, qui était le quatrième. Puis Danick Roussin, qui était le cinquième. Ils sont allés chercher pas mal tous les top picks de cette année-là. Ils voulaient un gros club avec Crosby. Puis ça, c'était. Tu sais, pendant que tu me fais penser, là, pendant... ouais. ces deux années-là, c'était magnifique. Là. Tu sais, je me rends compte aujourd'hui, à 39 ans, de la chance que j'ai eue. Toutes les games pendant deux ans de temps, peu importe où ce qu'on jouait, c'était super. Ouais. C'est super. Je sais qu'ils ne venaient pas me voir jouer moi, mais il y avait toujours bien des sauts d'ordre partout. Ouais. Puis le monde, ça scalpait des billets à la rue. Là. C'était ça, pareil, Sidney Crosby. C'est comme un festival dans chaque ville où vous allez. C'est comme l'Inter Miami dans MLS. Il ouais. n'y a personne qui a jamais voir ça. Puis il n'y a personne qui achetait des billets à 800$ canadiens pour aller voir l'Inter Miami. Mais c'est rentré. C'est ça. Mmh. Il y a un autre point que je vais t'amener. On a reçu là, un mois à peu près Alexandre Picard au podcast, justement. Ah ouais? Okay. Ouais, il avait joué contre vous avec les Maniacs de Lewiston en série quand Crosby était là. Il nous racontait une fois que justement Crosby, il était fatiguant parce qu'il allait chercher les pénalités puis tout ça. Puis il nous a raconté qu'un moment donné, justement, d'une fin de game de playoff, là, la game était finie, il était au face-off. Puis qu'il nous a dit qu'il avait dit au face-off je te jump, là, t'as pas le choix, je te jump. Je voulais savoir, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu t'en rappelles de ça? Est-ce que tu étais sur la glace? Je m'en rappelle pas. Non? Je m'en rappelle pas, en fait. Je m'en rappelle pas. Puis. Je suis pas un gars qui a une super de mémoire en général. Mm-hmm. Je veux pas me défendre, mais ouais. j'ai eu plusieurs coups à la tête. Puis ça, pendant une certaine période, ça a été difficile. Mais surtout ma mémoire, capable de me rappeler des affaires, de me rappeler qu'est-ce que j'avais fait. Puis, mm-hmm. fait que c'est plate, mais c'est quelque chose qui avec lequel que j'ai appris à vivre. Puis, mais là, aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey et que j'ai suivi ma tête va bien. Mais pour les souvenirs, des fois, c'est plus difficile. C'est correct. Ça se peut que tu n'étais pas sur la glace non plus. J'avais trouvé ça drôle comme anecdote. Donc, sinon aussi, pendant qu'on est sur le sujet de Rimouski, je voulais te parler, justement, tu as dit que tu as suivi là, la série, en fait, que tu suis encore la Ligue, puis tu as suivi un petit peu la série contre Rivière-du-Loup. Aurais-tu aimé ça, quand tu jouais dans la Ligue nord-américaine, avoir la chance de jouer un match à Rimouski, comme les Marquis ont fait? Le match numéro 2 était présenté à Rimouski au Colisée Sun Life. C'est pour ça qu'il y a Ma famille de pension de Rimouski m'ont demandé si je jouais encore à Jonquière, puis qu'ils seraient venus me voir jouer avec Rimouski, mais je pensais qu'il voulait venir à Rivière-du-Loup. C'est sûr que ça aurait été trippant, j'aurais aimé ça, c'est officiel. Je sais pas, ils ont-tu une bonne foule, là, savez-vous? Ils ont eu, je sais que c'est un gros building là-bas, mais il y avait eu 2000 personnes. Là. 2000, ok, quand même, c'est pas super. Ouais. Il rentre 5000, c'était 5000 à tous les games, là, fait que... Il rentre 5000, à moi qui ai grandi le Colisée à Rimouski. Je sais qu'ils l'ont rénové, mais dans le temps, il rentrait 5000.
Ensuite de ça, c'est ça justement, là, t'es un des rares qui est rentré dans les ligues seniors au Québec là, quand tu étais très jeune. Avec le succès que tu as connu avec les Marquis, début vingtaine, mi-vingtaine, est-ce que tu as eu des offres? Est-ce que tu as peut-être été tenté là, d'aller soit en Europe ou de retourner dans ce circuit professionnel? Parce que tu étais quand même un choix au repêchage de la Ligue nationale. Tu étais quand même un des meilleurs joueurs de la Ligue. Puis en plus, tu as le côté robustef qui est tough à trouver aussi. Est-ce que ça a passé proche que pendant ces années-là? Je peux vous dire que je suis bien chez nous, je suis bien dans mes affaires. Je connais bien ma vie. J'avais un job au travers de ça. Ça fait longtemps que je travaille et que je joue au hockey au travail. Je voyais pas le gain. J'étais fier. Je portais le logo de mon équipe. Non, j'ai pas voulu y aller. Pour répondre rapidement, là, non, j'étais bien, j'étais un fier défendeur des Marquis, jouais chez nous, je travaillais à la semaine, t'sais, même au niveau monétaire, j'avais aucun gain, à part peut-être vivre le trip, là, mais le trip, je l'avais vécu junior, puis j'étais super content d'avoir joué chez nous. Bon, ensuite de ça, on le sait, là, les premières années, ben la première année surtout là, des Marquis dans la Ligue américaine, c'était plus dur. Après ça, vous avez commencé à connaître du succès. Un petit peu aussi avec, disons, l'arrivée de Dean Legitlakos, là, qui a vraiment monté un bon club là-bas, avec Marc Boivin aussi, qui était propriétaire dans le temps. Ouais. Un petit peu de cette dynamique-là, là, de quand justement que ces deux-là sont rentrés dans l'engrenage, puis qu'il y avait les moyens d'amener un club gagnant avec les Marquis, puis qu'ils l'ont bâti. Là. Ouais. Marc Boivin a toujours été dans le okay, même l'entourage, ouais, okay. L'entourage des Marquis. j'ai beaucoup de respect pour Marc Boivin en passant, puis s'il nous écoute, merci pour tout, Marc. Tu sais, Marc, il a tenu cette équipe-là en vie, puis ça n'a pas toujours été facile, puis c'est un ambassadeur de ce club d'hockey-là, fait que j'ai beaucoup de respect pour Marc. Je vais vous dire, Dean Legitlakos, ça a été une grosse acquisition pour les Marquis. C'est d'un gars comme ça que j'avais besoin d'être entouré pour être capable de gagner des championnats. Puis, il connaît Dean, il a une bonne vision, puis il est capable de cibler un vrai d'un gars qui ne l'est pas. Là, tu sais, tu sais, au hockey, au début, oui, tu veux gagner des games dans la saison, mais tu commences l'année pour gagner. Tu veux gagner les séries. Tu sais, c'est ça le but. C'est... Excusez. Puis Dean était capable d'amener des gars qui avaient cette mentalité-là. Tu sais, c'est beau de dire oui, je veux gagner, mais il faut que tu l'apportes. Fait que Dean était super bon pour ça. J'ai trouvé ça dur quand. Moi, j'en ai voulu longtemps à Dean d'être parti, de l'année qui est partie, puis que ça nous a fait mal. Dean faisait un super de bon job, il était un bon administrateur, il était fier, il mettait ça professionnel, il s'organisait pour que les gars soient bien, puis il a fait un super de job, Dean qui a gagné la Jonquière. Puis là, cette année-là, l'année avant que vous ayez gagné, je sais que vous aviez perdu en demi-finale là, contre Windsor. Si tu t'en rappelles de cela, parce que je trouve que ça fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé dans ce week-end, parce qu'il y a une petite mêlée dans le warm-up entre Rivière-du-Loup et Laval. Je me rappelle cette année-là, il y avait eu la même chose en demi-finale avec toi, puis je pense que c'était Mario Joly à Windsor. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui s'était passé pour que les émotions débordent autant? Et là, je vais vous dire, c'est pas de ma faute. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ah, c'est ça, c'est pas moi, j'ai rien fait.
C'est Louis. C'est la faute à Louis. Ah, c'est Louis en plus. C'est Louis Tremblay qui a décollé ça. Il avait snappé une puck, ça, eux autres. Il a dit warm-up. Puis là, Mario l'avait apostrophé. Puis là, tout le monde t'a remarqué sa glace. La fois, t'es pogné sa glace. Il y en a eu quelques-unes. Mais la pire, c'est quand c'est moi qui avais déclenché une bataille générale à Jonquière. J'ai-tu le droit de dire ça, moi? C'est correct? Ben oui. Ouais. C'est passé, là. On est à Jonquière, puis j'étais avec John Murasty sur la glace. Ah oui, je m'en rappelle. Puis les arbitres étaient là, puis là, je ne sais pas si on fait ça. Ben là, je suis parti. Il essaie de me donner des coups de poing par en dessous. Puis là, il me pognait sur le bord de la face. Puis tout ça. Puis là, Klaus, j'y ai mordu à la main. Là, il s'est levé. Il était en furie. Là, il est parti à l'entrée des arbitres. Il a commencé à me sucker puncher par en dessous. Puis là, les bas se sont vidés. On a créé une bataille générale à Jonquière à cause de moi. Ça m'est déjà arrivé d'en déclencher une. Mais Louis était responsable de ça. C'est la faute à Louis. Ouais, on l'avait reçu à Louis, je pense, c'est là 2 ans. Peut-être qu'il nous en avait parlé aussi. Je m'en souviens pas. Pour cela, je me rappelle, dans ce temps-là, Sorel. Il a dit que c'était la faute à Jean-Michel Bolduc. Ouais, c'est ça. On s'en ressemblait beaucoup en tant que ce qui est drôle de ce match-là en particulier, c'est que moi, je me rappelle, je montais à Sorel avec les trainers. Dans ce temps-là, Sorel à la Jonquière, c'était jamais le fun. Sorel n'a jamais gagné à Jonquière pendant, je pense, 3-4 ans au début du club, quand le club est revenu à Sorel. Puis, tu sais, on s'en allait à Jonquière, puis c'était comme encore, tu sais, on s'en va à Jonquière, puis tout. Puis le trainer, juste pour rire, il dit oh, check bien ça, on va leur sacrer une claque 10-3, puis il va avoir une bataille générale. Puis, Sorel avait gagné ce match-là, une affaire de même. Là, on a fait une bataille générale, fait que t'as toujours resté après, c'était bien drôle. Ouais, ça a été longtemps très désagréable pour les équipes adverses de nos joueurs à Jonquière. Ben, un, il fallait qu'ils fassent la route. Traverser le parc l'hiver, c'est pas toujours de gaieté de cœur. Des fois, il y a des petites tempêtes. Fait que, il y avait de la route à faire. Puis là, il arrivait à Jonquière, on était extrêmement tough. On avait, tu sais, une année, on avait Alex Penner, Sean McMorrow, Gabby Rock sur notre quatrième ligne. Tu sais, t'avais Patrick Bernier aussi. Moi, j'étais capable d'y aller. Vous avez Martin Grenier aussi. Ouais. Martin Grenier, c'est un... Je sais pas si Penner était là. Je pense pas que Penner était là quand Martin Grenier était là. Mais en 2013... Parker était là cette année-là aussi. Ouais. On avait tout un monstre. C'était ouais. C'est une grosse bébite, là, Martin Gagné. Là, il a les mains, là, tu sais, j'ai des grosses mains, là, mais il a des super de grosses mains. Justement, Stéphane Dubé, dans les questions, qui demandait as-tu des souvenirs de l'immense défenseur Martin Gagné? Ah oui. C'est un gars qui est capable de se faire respecter, puis il peut y aller contre n'importe qui. Là, il veut mesurer 6 pieds 5, il faisait 300 livres, puis il avait des super de grosses mains. Il mettait les pattes sur ses épaules, puis il n'était plus capable de rien faire. Là, il nous a rendu des fiers services. Puis, c'est quand même un bon sixième. Là, fait que, il est capable de jouer son tour régulier aussi. Oui, c'est ça l'affaire qui était tough contre lui, c'est qu'il pouvait garder son tour régulier. Mais tu sais, c'est ça. Ouais, en tout cas, là, on pourra en parler longtemps. Mais sinon, là, les autres choses que je voulais parler, ben là, justement, en 2013, vous avez gagné la Coupe. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de cette run de série-là? Là, je sais que vous aviez eu le bail en première ronde, mais après ça, vous avez joué contre Trois-Rivières et Sorel en finale. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de ça? Mais cette année-là, ça a beaucoup été une année de papier sablé. Tu sais, on avait une équipe, ça frappait, on était imposant, on était intimidant, puis on y a beaucoup été à l'usure. Là. Ça a été une année où les séries ont été difficiles
physiquement. Puis moi, j'étais encore en 2013. J'avais même pas 30 ans encore. Tu sais. Fait que j'étais encore assez jeune dans la fleur de l'âge. Fait que j'ai beaucoup appris de cette première année-là. Oui, puis finalement gagner la coupe là, à Sorel en plus, c'était au Colisée des Carabins. C'est quoi que tu te rappelles là, de justement là, avoir la chance de soulever le trophée avec le chandail là, de ta ville, de ton équipe? C'est quoi un peu? Ben, c'est sûr que c'est une fierté. Puis toutes les bannières qu'il y a au plafond du Palais des Sports à Jonquière, j'ai participé à chacune d'entre elles. Puis, tu sais, c'est une belle fierté pour moi puis, d'avoir réussi à amener des championnats à Jonquière puis des championnats de saison puis de créer une culture gagnante. C'est ce que je retiens le plus de mes conquêtes. Là. Ben, quand vous avez gagné la coupe à Sorel, là, je ne sais pas si t'en rappelles, mais ça m'a toujours un peu intrigué, là, de si on veut, la décision de à qui va la coupe, parce que je regardais la vidéo justement de quand vous avez gagné, puis tu avais vraiment l'air de chercher Steve Brûlé dans le temps pour lui remettre là, à lui, quand c'était un des premiers, évidemment, à l'avoir reçu. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais que ça se fait genre juste sur le moment, t'es comme ah, genre ça va à lui, c'est des trucs que tu sais qu'un non, peu. Non, non, tu penses pas ça d'avance, mais tu y vas pour respect. T'as rendu pas mal à l'âge que j'ai, là, 39-40, puis t'as rendu des fiers services. Là, c'était pas un joueur de hockey, là, même si il était en fin de carrière. C'était un joueur dominant, puis souvent dans ces moments-là, mais tu veux donner la chance aux vétérans de toucher à la coupe en premier. Là, c'était vraiment juste une mesure de respect. Tu t'en rappelles-tu aussi, dans cette série-là, il y a un fameux but que Steve Brûlé avait marqué dans la deuxième prolongation à Jonquière. Est-ce que tu t'en rappelles de celle-là dans la série? Oui, super de beau filet. Steve Brûlé en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens. C'est tout un joueur. Parlant de but, là, si on va en 2014, vous aviez affronté Sorel encore en 2014. Tu as parlé au début de du podcast là, que tu sais, Jean-Simon Allard, là, c'est un peu pour ça qu'on joue pour marquer des buts. Dans le match numéro 1 de cette série-là, tu avais marqué en prolongation. Je ne sais pas si Carpentier l'avait fait dévier, là, mais tu avais fait la shot là, pour le but en prolongation. Est-ce que tu te rappelles un peu là, du feeling de marquer en prolongation à la maison, à Jonquière? C'est ce qui est le plus beau. C'est pour ça que tu joues des moments comme ça. Puis, tu sais, j'en ai pas eu beaucoup quand même dans ma carrière de hockey dans la Ligue nord-américaine. Fait que ces moments-là, c'est sûr que ça marque, puis c'est des beaux souvenirs pour ce qui est de ma carrière. Là. Puis dans ces séries-là, on a reçu Louis Tremblay. Je pense qu'on y avait parlé de ces séries-là là, une couple d'années au podcast. Il avait dit que, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais la série finale cette année-là contre Thetford, il nous avait dit que ça avait été toute série tellement que plus ça avançait, plus ça en venait dangereux, tellement que les deux équipes jouaient rough et à salaud à la limite. Là. Est-ce que tu t'en rappelles de cette série finale-là que vous aviez remportée? En 2014? Ouais. Ouais, en 2014, parce qu'on a gagné deux fois, Thetford. On a gagné en 2017 aussi. Mm-hmm. En 2014, ouais. Puis là, en plus, eux autres, il y avait l'animal dans le club, tu sais. Puis il y avait Thomas Belmore. Il était équipé, là. Il était équipé pour veiller tard en tabarouette, là. Fait que c'était du hockey plus sale un peu dans ce temps-là, puis on pouvait s'en permettre un peu plus. Tu sais, moi, j'avais pas peur de grand monde, là, mais tu sais, Thomas Belmore, grand gaucher, il était tannant, puis Joël Thériault, c'est un gars que
j'aurais jamais été avec. Puis, tu sais, il me l'a déjà dit, là, tu sais, toi le kid, tu vas être obligé de te pogner avec moi avant la fin de, avant la fin de ma carrière. T'es-tu malade, toi? Ouais. Ouais. T'es-tu allé finalement? Non. J'avais mes limites quand même. T'es pas obligé? Non, c'est ça, j'étais pas obligé. Je me suis donné le choix. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on regarde ta carrière, il n'y a pas beaucoup que tu t'es donné le choix, par exemple. Ouais, non, j'ai gagné beaucoup de respect. C'est plate d'avoir fait ça de même, mais c'était une façon de me faire respecter dans ce ligue-là. Tu sais, à un moment donné, si tu veux rouler ta bosse longtemps, puis surtout que le. Eric Cole! Un autre personne marquante de ma carrière, c'est Eric Kelly. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis il a pesé dans le dos à Paiement Bolduc souvent. Ce qu'on voit 30 minutes, beau Pim, ça revenait ouais. Souvent. Ça me fait penser, c'est Cyril en 2014, il y avait eu une autre foire à Sorel aussi. C'est lequel, rappelle-moi un peu. Là. À la fin de la game, dans le fond, la game était finie. Puis ça avait parti. Là. Je t'étais battu contre Simon Poirier. Puis, je m'en rappelle. Il traînait un peu trop proche du banc de ton équipe. Puis t'es allé le voir aussi. T'es en plus, tu sais, Guillaume, c'est mon grand chum. Là. Je l'appelle le prince. C'est le prince. C'est moi qui ai donné ce surnom-là. Ah oui? On a grandi ensemble à Jonquière, il habitait chez nous. Ok. J'avais une maison en logement, puis il restait avec moi. Là, il m'aidait, puis on a passé 2 ans ensemble quand même. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est du moi tout craché. D'aller me mêler avec un de mes grands chums pendant une bataille, c'est à un moment donné, faut être capable de faire la part des choses. Puis ouais. C'est un peu un manquement de ma part, mais aujourd'hui on en rit. C'est le point pour montrer à quel point j'avais mon équipe à cœur et que je voulais qu'on gagne. Reparles-tu à tous tes chums que tu n'as plus de poignée pendant ce temps-là, puis que maintenant que c'est fini? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'étais un peu. Je fais mes petites affaires, puis j'ai pas de contact avec ben de gars. Je voulais plus dire dans le sens que tu fais la paix avec tout le monde depuis ta retraite. Ah, ben oui. J'étais probablement le gars le plus détesté dans ce ligue-là, mais je pense que les gars dans mon club étaient contents de m'avoir de leur bord. Là. Fait que quand tu es apprécié dans la chambre et dans l'équipe que t'es, ben c'est. Puis t'es détesté l'autre bord, c'est signe que tu fais de quoi de correct. La Coupe en 2014, c'est un petit peu différent aussi parce que tu nous as dit qu'un de tes plus grands chums, là, c'était Louis Tremblay. Il n'était pas là en 2013, malheureusement. Tu es arrivé à Duluth à cette époque-là. C'était-tu le fun, là, justement, de défendre le championnat pour faire un back-to-back, mais que la deuxième, tu puisses la savourer avec Louis? Ben ouais, c'est sûr. Tu sais, quand tu joues avec ton grand chum, puis. Tu conques ça avec, c'est des super de beaux moments, puis la fratrie qu'on avait dans l'autobus, tout ça, c'est des moments, on a pris l'autobus à partir de Jonquière pour aller jouer partout, à jouer aux cartes, puis à se conter des histoires dans l'autobus, c'est vraiment des beaux moments, puis vraiment content d'avoir gagné avec. Ensuite, là, si on poursuit là, la petite épopée de la Ligue américaine, il y a une chose qui est arrivée en série en 2016 que je voulais savoir comment que vous l'avez vécu dans la chambre, parce qu'il est arrivé de quoi d'assez inusité dans la série contre Sorel cette année-là, alors que Sorel menait 3-1, vous avez changé de coach en plein milieu des séries pour amener Richard Martel.
Comment ça s'est passé dans la chambre de se faire dire « Ouais, boys, on est en plein milieu des playoffs, mais on change le coach. » Ouais, c'était les frères Bro hein, qui étaient là. Ouais, c'était les frères Bro. Ils n'ont pas été là longtemps. Je sais que ça... Ouais. Parce que au début de l'année, je pense que c'était Claude Bouchard qui était retourné dans le junior majeur. Après ça, les frères Bro, t'as eu Ben ça, Claude Bouchard, je l'ai trouvé très semi de s'en aller aussi. Puis les frères Bro, c'était pas super facile avec l'équipe. Puis ils voulaient du changement, puis ils voulaient qu'on gagne. Puis c'est là qu'il a rentré Richard. Mais on n'avait pas perdu en 7 à Jonquière cette année-là, grand overtime de Couture. Ouais. Exactement. C'est ça, c'est Couture qui a scoré. C'est moi qui étais sur la glace, pour ça je m'en rappelle. J'ai pas de mémoire, mais c'est ça là je m'en rappelle. Il y en a plusieurs qui. T'as pas ils l'ont donné. Là. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont rendus qu'une reprise vidéo. Hein. Ouais, c'est vrai que. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a mis dans le offside. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était un lob, puis la poque était dans les airs quand c'est arrivé. Fait que c'était dur d'évaluer, j'imagine, sur le ligne. Là. Ouais. Mais oui. S'il avait été offside de nos jours, il aurait pu aller à la reprise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il m'avait flotté dans le dos. J'étais pas très content. J'espère qu'il va gagner l'année d'après. Ouais, c'était quoi d'avoir Richard Martel comme coach? Tu disais qu'il était spécial pour toi, ce coach-là, quand vous avez gagné en 2017. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Richard Martel, l'homme, le personnage aussi dans tout ça, il est charismatique, Richard, puis il est intelligent, c'est un gars qui est capable d'aller chercher le meilleur de tous ces gars, puis tu sais, quand t'as un gars comme moi dans la chambre, que moi, ce que je veux à tous les games, c'est craquer mes gars, là, mettre la meilleure musique dans la chambre, les rendre le plus près, mettre ça le plus sérieux possible, quand t'as un gars qui rentre comme Richard, puis qui est capable d'amener du professionnalisme, puis de deux, qui est capable d'aller chercher le meilleur de tous ces gars, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun pour l'équipe. Puis, il nous a fait grandir, puis il nous faisait des pratiques la semaine. Je vais vous dire que l'année que Richard était là, c'est l'année que j'ai été le plus en forme. On faisait une pratique de patin par semaine. Il nous faisait patiner, puis fallait que je l'élève, mes pattes. Là. Fait que, il a été super bon. J'ai vraiment trouvé sa plate qu'il parte l'année d'après. On l'aurait pas encore, pas encore. Il y a un de tes anciens coéquipiers qui écrit dans le chat, Fred Piché. Un des plus vrais que j'ai joué avec. J'ai adoré gagner avec Bobo, un exemple de joueur complet. Merci, le Piche. ensuite de ça, là, dans les dernières, en fait, la dernière coupe, justement, là, vous l'avez gagnée à Thetford en 4 matchs également. Là, je sais qu'on a déjà reçu des joueurs de cette édition-là là, qui le propriétaire aurait aimé ça qu'il y ait un match 5, hein, si je me rappelle bien, pour ramener ça à la maison. C'est quoi, vous en avez parlé? Ouais. Mais là, Richard n'était pas content. Là, mais le soir après la game, les propriétaires ils ont amené les gars au restaurant à Marc Boivin, justement. Après la game 3. Ouais. Ils ont fait boire jusqu'à 3h du matin. Parce qu'ils voulaient pas qu'on. Ils voulaient avoir une game 5, tu sais, eux autres. C'était lucratif d'avoir une game 5. Eh ben, ça, c'est du folklore, pareil. Puis, le speech que Richard nous a fait avant game 4 à Thetford, c'était du bonbon. Là, tu sais, là. Il disait qu'on ne voulait pas gagner et qu'on n'était pas capable. Fait que on a steppé up. Les gars étaient tous maganés puis on a réussi à gagner ce game-là pareil. Puis, mais on avait tout un club. Là.
notre première ligne avec Chaput, Ouellet, Canel, ça y allait. Après ça, on avait Carpentier. C'était toute beauté. Ma plus belle année dans la Ligue nord-américaine 2017. Facilement. À cause des coéquipiers, vous aviez eu une grosse année également. Mais, hein. Les coéquipiers, le coach, l'organisation, les victoires, tu sais. La bière chez Marc Boivin. Ou... Non, ben, la bière à l'eau. Ouais. Non, on avait une super de bel esprit d'équipe, puis les gars venaient pour gagner, puis on avait une belle routine, puis on avait plusieurs choses d'instaurer dans la préparation d'avant-match qui faisait que c'était spécial. Là. Fait que, vraiment une belle année. Mais si on te demande là, peut-être une petite anecdote là, de conquête, là, je ne sais pas si Sean Martel ne vous laissait pas boire pendant les séries, mais après, quand c'était fini, là, vous aviez le droit un peu de fêter probablement. Là, est-ce que tu as une petite histoire? Certainement. Racontable? Une petite histoire racontable. Peut-être de même, j'en ai pas. Vite de même, j'en ai pas. Mais, ils sont tous pas racontables. Ben, des histoires de party, mais il y a une année, en 2013, je pense, Marc avait fait, il avait fait faire un super de gros show au palais, puis tu sais, ça a été une grosse affaire, puis finalement, ça avait pas super levé. Là. Fait que on s'était ramassé à son bar. Puis on. C'est des soirées qui sont le fun. Puis qu'on a profité. Vous avez été. Ça a l'air avec un propriétaire. Avec les boys. Avec les boys, la gang. Puis c'était le fun de même aussi. Exactement. Moi, j'étais un gars d'équipe. Là. Mes coéquipiers, c'est ce que j'avais de plus précieux. Là. C'est important pour moi. Si on regarde un peu, si on fait le parallèle à aujourd'hui, là, d'un marquis à un autre, là, qu'est-ce que tu dirais aux marquis d'aujourd'hui qui sont en série là, en ce moment, mettons? Non, mais nous autres, on avait des insides, là, puis tu sais, moi puis Louis, des fois, on était violent, mais pas toujours intelligent. Donc là, on se disait dans la chambre, pas trop de violence, de l'intelligence. Slagant des séries, c'est bon ça, comme ça. Non, mais tu sais, les gars, c'est important de sortir avec le couteau entre les dents, puis de finir toutes tes mises en échec, puis de... Mais quand t'es dans le box, c'est pas payant. Tu sais, fait que c'est un peu ça, là. C'est jouer de la fierté, puis ce que j'ai vu à Jonquière, puis la game à Rivière-du-Loup, tu sais, oui, Jonquière avait perdu à la game 3, ils ont game gagné, la game 4, puis on gagnait en 5. Ouais. La game 4 à Rivière-du-Loup, mais ils avaient joué une super de bonne game, je pense qu'ils méritaient ce game-là. Puis là, la game 5, ils l'ont gagné. Tedford, je ne l'ai pas écouté, mais ça a l'air que la chaîne a débarqué. Je parlais avec Bob, puis Bob me disait, ben Bob, c'est Bob Desjardins. Le match 1, là, en début de troisième. Moi, ouais, la chaîne a débarqué 4 minutes de temps, puis sinon, ils ont joué une bonne game. Puis la game à Jonquière, ça n'aurait jamais dû se rendre en prolongation. Là. C'était pas serré. Là. Sauf qu'ils ont scoré deux fois tête feu dans le piqué. Deux erreurs. Ils ont coûté des breakaways. Puis, fait que la, Ils ont une super bonne équipe, ils jouent de la bonne façon. C'est d'apporter ta game à toutes les games de playoff, puis de mettre du sérieux et d'être fier. Je voulais qu'on parle, là, il y a quand même eu un bel honneur qui t'a été attribué cette saison. Tu as été le premier joueur des marquis dans l'histoire de la concession à se faire retirer son chandail numéro 27. Parle-nous donc là, un petit peu de comment ça s'est passé, quand est-ce qu'ils t'ont approché, puis comment est-ce que ça s'est fait. Là, Ah ben c'est Bob qui m'a approché, il m'en a parlé, puis c'était tellement une grande fierté, tu sais, au-delà des championnats en équipe, puis d'être un gars d'équipe, puis d'avoir défendu mes coéquipiers, puis d'avoir saigné pour ce club-là,
ben, de revoir un peu le que l'équipe m'en redonne un petit peu en m'immortalisant, c'est une façon de me dire merci pour ce que j'ai fait, puis que ce que j'ai fait comme travail, ça a été bénéfique, puis que ça l'a marqué. Tu sais, si j'ai marqué d'une certaine façon, ben, tant mieux, puis je suis fier de ça. Ouais, t'as dit au début, je trouve ça fait beau, mais t'as dit au début qu'il faut que tu ailles les marquis, que ça fasse partie de toi. Ben, grâce à ça, on peut dire que tu fais à toujours partie des marquis avec ça. Exactement. Là, ils ont retiré le chandail à Mathieu Dumont aussi à Sorel. Ouais, ils ont fait ça pendant la saison, ils ont retiré son chandail. Là, ouais, il a joué. Ouais. Dumont. T'es-tu le premier aussi, lui? C'est quoi? T'étais-tu le premier à Sorel? Non, à Sorel, il y avait déjà David Saint-Pierre, Éric Doucet, Christian Deschênes, okay. Puis Grégory Dupré. OK, il y en avait une couple quand même. Ouais, mais tu sais, Sorel, c'est quand même des joueurs de début des années 2000 aussi là, qui ont fait la concession. Ouais. Ça fait un petit peu plus longtemps que ouais. Que Dupré n'aimait pas ça non plus de jouer contre moi. Ouf. Non, j'imagine. Non, c'est ça, parce que je parlais avec Louis, puis il disait ça, tu sais, Chris Cloutier, pas Chris, Kevin Cloutier pour sa retraite. On parle pas du même genre de joueur partout. pour sa retraite, puis c'est ça qu'il disait. Il disait que j'étais le gars qui aimait le moins jouer contre. C'est un peu ma marque de commerce. J'étais pas le fun. Ouais. Bon, c'est pas agréable pour moi. Puis toi, contre qui que t'aimais pas jouer? C'est qui le joueur que t'aimais pas jouer contre? Un que j'ai trouvé très, 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 très bon, c'est Kevin Veilleux. Kevin Veilleux, j'ai trouvé très bon. Mm. Il est gros, il est capable, il est fort. Sacha Pokolok aussi. Sacha Pokolok était très dur à jouer. Des gros bonhommes. Très, très, très mobile. Se déplaçaient bien. Tu sais, tous ceux-là qui ont un 16 plus petit que moi, pour un gars de 6 pieds 3, je me déplace bien. Fait que j'avais quand même une certaine facilité. Mais tu sais, des gros bonhommes forts qui se déplacent bien, c'est contre ceux-là que j'avais le plus de misère. Fait que c'est les deux qui me viennent en tête. Il y avait Sébastien Courcelles aussi à Topfield. On s'est détesté longtemps. Tu sais, c'est un gars qui avait son équipe à cœur et qui l'a gagné pas mal aussi. Sinon, il y a un point que je voulais dire aussi. Au niveau des fans dans l'Oncat, on en a parlé un petit peu au début du show, mais cette année, la moyenne d'assistance, c'est la plus haute depuis, je dirais, les belles années de Dean au Palais des Sports. Eu une moyenne au-dessus de 2000 personnes par partie. Comment est-ce que tu voyais les fans dans ton temps? Oui, c'est le fun à voir. Puis, tu sais, comment est-ce que tu voyais les fans dans ton temps? Puis qu'est-ce que ça te fait justement là, de revoir le palais aussi plein que dans le bon vieux temps, comme on dit? Oui, mais je veux dire, je pense que les foules sont encore meilleures aujourd'hui qu'ils l'étaient dans nos bonnes années. Il y a du monde dans le Palais des Sports. Là. Je vous dis, là, c'est impressionnant. J'étais allé à la dernière game, en 2006. Là. Il n'y avait pas des bandes libres dans l'aréna. C'est beau. Là. De ma mémoire, je ne pense pas qu'on avait déjà rempli le palais. Là. Fait que c'est la raison pourquoi il y a du monde dans même l'estrade, c'est qu'ils ont fait confiance aux jeunes de la région. Puis les jeunes sont fiers de porter l'uniforme. Ils prennent ça à cœur. On le voit quand ils gagnent à la fin, c'est qui les gars qui font lever la foule, puis c'est qui les gars qui démontrent leur fierté, puis leur joie, c'est les gars de la région. Puis tu sais, les deux noms qui me viennent le plus, c'est Blackburn puis Terrien. Ces gars-là, tu sais, moi, j'étais un gars qui était fier, qui est fier d'avoir porté l'uniforme, mais je peux vous dire que je suis fier de ces deux-là aujourd'hui. Terrien marquant overtime en plus. Ouais, exact. Tu sais, il y a un petit Gravel à défense aussi qui est super bon. C'est le go-to guy, là. Tu sais, il est tout capable de faire. Il a l'air d'un vétéran. Ouais, c'est un gars de la région aussi. Fait que,
Il y en a beaucoup des gars de la région. Puis, tu parlais un peu qu'il y avait aussi les fans qui étaient là dans le temps, quand tu as commencé, ils sont encore là. Puis on a réussi aussi à aller chercher une autre base de fans, là, justement avec le sentiment d'appartenance. Ouais. Les marquis, peut-être aussi, tu parlais de les joueurs mineurs. Ouais, c'est ça qui ont déjà le logo des marquis sur leur chandail. Ils sont fiers de porter ça. Puis, il y a les fans qui sont là. La fanbase est super bonne. Là. Il doit avoir un 12-5, c'est tout le temps les mêmes. Il y en a des sérieux fans. Puis c'est vraiment cool. C'est beau à voir. Puis... Mais la fanbase, il y en a beaucoup des jeunes. Je vois dans l'Estrade, puis je me rends compte que 15 à 20 ans, là, il y en a de plus en plus. Là. Fait que c'est signe que le produit est bon. Là, mm-hmm. Tu vois, une game de playoff dans l'Union américaine, là, c'est du hockey, là, c'est sérieux. Là. Je voulais aussi un autre joueur là, qu'on n'a pas mentionné, mais tu nous parles de celui qui a un peu dû changer de numéro depuis qu'ils ont retiré le tien, Gabriel Verpas. Je pense que s'il y a un joueur dans l'édition actuelle des marqués qui pourrait, mettons, mériter, si on veut, de porter le 27, c'est bien lui. C'est un peu un joueur dans ton style. C'est un peu un joueur dans mon style, effectivement. Il est capable, puis... il a une bonne game, il est tough, il est mean, il est bon en avantage numérique, il est bon des avantages numériques, assez complet. Tu y allais avec des questions en rafale, Dave? Oui, j'ai des petites questions en rafale. On va revenir un peu sur ta carrière, mais aussi sur en apprendre un peu plus sur toi. Donc, première chose qui te vient en tête sur les petites questions. Donc, ton premier souvenir au hockey, quand tu étais petit gars, que tu as patiné pour la première fois? C'est ma deuxième année à Tôme où on jouait des games de 32 minutes, puis que je jouais 32 minutes. On avait 36 games dans l'année. Ben, j'ai joué 36 fois 32 minutes. On a tout gagné le tournoi. J'ai appris jeune, là, tu sais. Mais plus jeune, j'étais à 12 ans, je mesurais 6 pieds 4. Je suis arrivé, c'est pas vrai, 6 pieds 2 à 12 ans, 6 pieds 4 à 15 ans. Je suis arrivé junior, là, je me disais 6 pieds 4, 170 livres. Puis là, aujourd'hui, j'étais 6 pieds 4, 2,45. J'étais grand, j'étais maigre, mais j'étais vite. J'étais vraiment vite dans ce temps-là. Fait que ma game, elle a changé. Elle a changé avec le temps. Puis dans mon hockey mineur, ben, je ne débarquais pas. Là, ça sert à la glace. Fait que c'est mes premiers souvenirs d'hockey. C'est bon. Numéro 27, pourquoi tu portes le numéro 27? Ma date de fête. 27 février. Date de fête. Ça a toujours été ça. Non, ben, quand j'étais plus jeune, mais alors, hockey mineur, nous autres, c'était. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Mon joueur préféré quand j'étais jeune, moi, c'était Eric Lindros. Fait que j'ai joué tout mon hockey mineur avec le 88. Quand je suis arrivé à Québec junior, il ne voulait pas me donner le 88. Vous comprendrez. C'est un grata, 88. Eric Lindros n'a pas vu jouer avec les Nordiques. Là, je suis pas mal sûr que c'était la raison pour que là, il restait un chandail à le numéro 2. J'ai commencé avec le numéro 2 à Québec. Après ça, ils m'ont changé à Rimouski. J'ai pris le 17. J'avais une phase que je trouvais sur Ilya Kovalchuk. Puis ça m'a passé après mon stage junior. Quand j'ai recommencé à jouer dans la Ligue nord-américaine puis dans le senior, j'ai porté le 27. C'est un peu, je pense, à moins que tu aies une réponse différente qu'Éric Lindros, là, mais ma prochaine question, c'est ton idole au hockey. Beaucoup Chris Pronger. J'aimais vraiment sa game, là, il était mine, t'es chien, t'es tough. C'est le genre de game que j'aimais regarder.
Mais dans le hockey d'aujourd'hui, je vais vous dire, quel maqueur au Colorado, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. D'avoir un gars se déplacer de même, d'avoir une vision, d'avoir une shot. Il y a tout. Là. Je me suis abonné à NHL Sunrise juste pour pouvoir écouter toutes les games du Colorado. Je l'aime à ce point. Ouais. Nice. Est-ce que tu as un athlète préféré en dehors du hockey? Préféré, non. Mais tu sais, tu penses à Pat Mahomes, Tom Brady, c'est ces gars-là, tu sais, Tiger Woods. T'aimes les winners. Ben, j'adore les winners, en fait. Je me nourris de ça, tu sais. On joue pour le fun, mais ce qui est le fun, c'est gagner. Je voulais. C'est bon, ça. Est-ce que tu avais une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Pas un gars très superstitieux. Routine, c'est sûr. J'allais toujours. Moi, je mangeais beaucoup avant les games. Il y en a qui ne mangeaient pas. Là. Mais tu sais, la journée d'avant puis la journée de match, c'était de l'eau tout le temps. Manger des bonnes choses. J'allais tout le temps manger des pâtes au poulet avant les games à Jonquière. Puis sur la route, ben, ça dépendait de ce qu'on arrêtait. C'est souvent du Thaï Express ou du Thaï Zone. Puis rendu à l'arena, ben, c'était tout le temps ma affaire. J'arrivais, je me mettais en combine, je mettais de la musique. Je m'occupais de placer mon équipement. Je sais, j'étais pointilleux là-dessus. Là. Tout était correct, TP mes hockey, relaxer dans la chambre, prendre de l'eau. C'était vraiment tout le temps la même petite routine. Puis je m'habillais tout le temps de la même façon, tout le temps le côté gauche avant le côté droit. Mais sinon, à part ça, très, très tranquille au niveau des superstitions. C'est bon. Dans tes années avec les Marquis, ça a été qui ton coéquipier le plus drôle selon toi? Bonne question. Christian Ouellet est drôle. Derek Parker était divertissant aussi. Pas mal ça. Là. Je n'ai pas qui m'ont marqué. Comment est-ce qu'il s'appelait? Je ne me rappelle pas de son nom, c'est ça. Peut-être si tu le décris. Ouais, il était petit, il avait un long bâton, il jouait dans le temps de Mathieu Benoît. Chiasson. Dominique Chiasson. Hein? Dominique Chiasson, ouais, exactement. Ouais, c'est qu'il avait un long bâton. Il était très drôle. C'est bon. Le meilleur joueur selon toi avec qui tu as joué? Dans mon équipe. Ouais. Je pense que. Ouais. Ben. Senior ou ben. Bon, on va dire. Ben, j'imagine la réponse, ça serait Sidney Crosby. Ouais. Même pas serré, là. Ouais. Mettons senior parce que c'est un peu trop facile, sinon. Ouais, avec qui j'ai. Ben, c'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est les plus vrais avec qui j'ai joué, là. Jonathan Pement et Hugo Carpentier, facilement. T'sais, j'ai joué 7 ans avec eux autres. Les 7 ans qui ont joué. Mais ils ont joué un petit peu après, là, mais les 7 premières années qu'ils ont joué dans la Ligue, ils ont joué à Jonquière. Paiement habitant au-dessus de 5 heures de Jonquière, qui a parti à 6 heures. Ça a fait beaucoup de sacrifices pour cette équipe-là. Puis, ça a passé du temps. T'sais, ça a investi du temps. Puis on a gagné ensemble. T'sais, c'est les deux autres seuls avec qui j'ai gagné 3 fois. C'est des gagnants. Là. Fait que Carpentier paiement facilement. Bon, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? 2017 avec Richard. Je sais pas comment c'est le game, mais 42, je pense. On avait perdu 12 games, ça veut dire qu'on était 32 dans la saison. Puis on a fini 12-3 dans la série. C'était solide. Là. C'est une super belle année.
dans la ligue. Puis Richard avait moussé les foules aussi. On avait tout le temps du 2000 aussi cette année-là dans le palais. Là. Quand tu rentres, puis il y a 1300, ou quand tu rentres, puis il y a son 2200, un petit peu plus hostile. Là, ouais, non, mais tu sais, le thrill que t'as de jouer ta game, tu sais, c'est le fun d'embarquer qu'il y a du monde, puis que. Fait que. Ça a été ma plus belle année, 2017. Dans la vie de tous les jours, ton repas préféré? Oh, c'est sûr que c'est de la viande rouge. Je devrais vous dire un ribeye sur le barbecue avec le gras qu'ils font. Là. On est des grands amateurs de barbecue, ma blonde. Fait du barbecue en masse. Bon. Ton film ou série télé préférée? Film, ça fait longtemps que c'est Happy Gilmore. Ça a été le film que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. Puis, série, vite de même, la dernière qu'on a écoutée, c'était Humphrey Bias. Mais tu sais, on en écoute beaucoup. Fait que, elle que j'ai pas mal, que j'ai beaucoup aimé, ça a été Breaking Bad. Mais on en écoute quand même beaucoup. Prison Break aussi, j'avais bien aimé ça quand ça avait sorti dans le temps. Ouais, quand j'ai fini Breaking Bad, ça fait pas longtemps. Ça fait fou. Ouais. Ça existe, mais je l'ai oublié. C'est long de décoller Breaking Bad, mais ça vient super bon. Ouais, ouais. Mais quand ça décolle, par exemple, c'est du sérieux. Ouais. C'est du sérieux. C'est bon. Puis si tu peux aller voir un artiste en show, ce serait lequel? Je pense à Post Malone. J'aime bien. Non. Mais il y a aussi Jelly Roll, là, l'artiste country qui a décollé. Là, je l'aime bien. Fait que, j'irais avec ça. Ce que t'aimes, c'est les tatous d'en face. Hein. Non, mais j'aime bien. J'aime bien Lil Wayne qui a des tatous d'en face aussi. Ah ouais, c'est mais, vrai. Dans le rap québécois, là, Manu Militari, j'aime bien. Puis. J. Scott aussi, c'est de la bonne petite musique québécoise. Parfait, c'est bon. Ça faisait le tour pour mes petites questions. Fait que je dirais, est-ce que tu avais d'autres questions, Seb? Non, on peut y aller avec JM Bolduc. Un petit mot, tu parlais là, des assistances tantôt. Mm-hmm. Un petit mot là, pour les partisans, peut-être un petit mot d'encouragement pour l'équipe là, également. Ben oui, c'est sûr. Mais Jonquière... vous êtes les meilleurs partisans, puis là, je veux rien enlever, je sais pas, vous êtes des Sorel, puis toi Seb, t'es de où? Moi, je parle pour Seb, ou toutes les équipes, c'est comme tu veux. Toutes les équipes, ok. Je suis un partisan de la Ligue, moi, j'aime tout le monde. Je suis un gars de la région, tout ça, puis je trouve que nos partisans, c'est les meilleurs. Des fois, peut-être qu'ils prennent trop ça à cœur, puis qu'il y a des débordements dans les estrades, mais on reste qu'on a une super de bonne... De bonnes bases de fans, puis qu'il y a des nouveaux fans qui rentrent. Ça rend les gars fiers aussi. On voit que les gars sont fiers, fait continuer d'aller les encourager. Puis les gars, ben, c'est pas compliqué. Continuez à jouer de la façon que vous jouez. Finissez vos mises en échec. Bloquez des shots, payez le prix pour votre club. Mettez-y du sérieux, puis rentrez le couteau entre les dents. C'est pas plus compliqué que ça. Bien dit. Bien sûr. Sur ces belles paroles, merci. La légende des Marquis de Jonquière, Jean Bolduc, merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'est intéressant. Bien sûr. On a reçu un guerrier, le premier immortel également des Marquis. Donc, ouais. C'est pas rien. Super trippant. Merci de votre invitation, les boys. Super. Bien sûr. Plaisir. On va te souhaiter bonne série si tu vas regarder aussi des parties. Là. Merci. Je souhaite longue vie à votre podcast, les boys. Super agréable. Yes, sir. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne soirée. Bye. All right. Jean-Michel Bolduc, légende des Marquis de Jonquière. Donc, c'était plaisant. C'était plaisant. On a eu les invités qui ont eu de la jasette quand même. Je vois. Ouais, on va falloir.
vers notre finaliste. Il va falloir y aller vite, mais moi personnellement, je dis Jean-Michel Bolduc, quand j'ai commencé à travailler pour l'organisation de Sorel, c'est un peu l'apogée de la rivalité Jonquière-Sorel. Là, se sont affrontés quasiment tous les années en série. Puis lui, c'était le joueur, le défenseur avec Jonathan Pement, justement, là, qui avait le plus de glace. Donc, il m'a fait sacrer plus d'une fois là, dans ma vie. Mais c'est un joueur que j'aurais... Mais en même temps, il vient de Jonquière, jamais qu'il serait venu jouer à Sorel. Mais c'est un joueur que c'est sûr que chaque équipe aurait aimé avoir. Là, donc, non, je suis bien content de pouvoir le recevoir. Puis j'avais plein d'événements ou de souvenirs là, que je voulais poser la question, là, justement, que je me rappelais là, du temps qu'il jouait. Yes, nice. On parle peut-être un petit peu des matchs qui ont eu lieu, les matchs ensuite là, qui vont avoir lieu. Mais, ouais. On a parti ça en force, là, la prochaine série, je veux dire, la série en cours, les séries qui sont en cours. En tant que fan de la Ligue, peut pas avoir meilleur scénario que deux séries qui sont 1-1 présentement. Deux séries serrées, on a déjà eu deux matchs en prolongation, un comeback là, de Laval en spectaculaire en troisième période à Rivière-du-Loup, perdait par 2 buts. À Thetford aussi, le match numéro 1, ça a été un bon match. Comme Jean-Michel en a parlé un peu, là, que Bob Desjardins a dit là, que la chaîne a débarqué un petit peu en troisième, mais à part de ça, c'était quand même serré. Même que Jonquière ont jamais abandonné, ont mis ça à 5-3, à peu près avec 5 minutes à faire, puis ont passé pas mal les 5 dernières minutes dans la zone de Thetford Mines qui se défendait, donc on n'a jamais abandonné du côté de Jonquière. Donc non, c'était vraiment des bons matchs, puis je pense que c'est... ça l'augure bien pour la suite des choses. On a vu justement à Rivière-du-Loup-Laval que il y a déjà eu quelques petits débordements. Là. C'est sûr que c'est plate quand ça mène à des suspensions, mais en même temps, c'est un peu ça qui fait la beauté du hockey. Là, quand vraiment on le sent là, qu'il y a une tension entre les deux équipes, puis que les équipes ne s'aiment pas, puis qu'il reste encore au minimum trois matchs. Je pense pas que ça va se finir en 5, cette série-là, de la façon que ça a débuté non plus. Mais il reste encore là. Il y a plusieurs matchs. On a annoncé aujourd'hui également là, que Brett Gallant et Jonathan Fortier allaient être de l'alignement du prochain match côté des pétroliers. C'est sûr. L'élément robustesse qu'on avait perdu, on en a retrouvé. La meilleure nouvelle là-dedans, sans rien enlever à Jonathan Fortier, mais je pense que c'est Brett Gallant. Là. On parle d'un gars qui a beaucoup d'expérience dans les niveaux dans lesquels il a joué. Mm-hmm. Capable d'avoir une présence aussi régulière. Là. C'est sûr que je pense que c'est un joueur qu'on... C'est un peu la grosse... Tu sais, chaque équipe a un peu leur grosse signature pendant la saison. Là, surtout quand on parle de Pierre-Cédric Labrie et Stéphane Fournier. Là, la Jonquière, mais Brett Gallant, c'est un peu la grosse signature de Laval aussi. Là, fait que... Parenthèse, mais François Laflamme dit aussi que Thetford Mike, trio complet là, lors de... Une partie. Ouais, Maxime Lecourt, puis Lozier. Maxime Lecourt n'était pas là. Lozier, lui, c'était il a reçu un tir, là, je sais pas où, mais sur la reprise, on voit qu'il a reçu un tir sur la jambe, là, et puis qu'il a quitté le match en deuxième période vendredi. C'est dommage, c'était un tir de son propre coéquipier là, quand il était en attaque. Donc, à suivre s'ils vont venir, là, avec la perte de Dave Labrecque aussi qui est suspendu. C'est sûr là, que du côté de Thetford Mines, il va falloir puiser là, dans la profondeur. En même temps, quand on regarde, là, Maxime Lecourt n'était pas là vendredi. Le gars qui le remplaçait sur son trio avec Lozier et Beauvillier, même si Lozier a dû quitter aussi par la suite, c'est Mario Trabucco, fini avec 2 buts une passe. Donc, on a un pop, comme on dit en bon français, dans là-dedans. Danny Gauthier, qui était un gars qui va avoir la chance aussi, je pense, de step-up aussi, parce qu'il avait été... La façon dont les trios étaient faits était un peu rendu plus vers sur le troisième trio. En même temps, un signe à quel point on a de la profondeur en attaque à Thetford là, que Danny un peu sa troisième. En tout cas, je pense que du côté de Thetford, il y a quelques joueurs là, qui vont avoir la chance de se démarquer. Là. Mais oui, bon point, là, je vois aussi d'Alexandre Grenier, il n'y a pas juste rendu à ce stade-ci, il n'y a pas juste Thetford qui a des blessures aussi. Jonquière, là, Tourigny puis Brisebois aussi qui n'étaient pas là. Donc,
C'est peut-être faire d'Alexandre Tremblay. Alexandre Tremblay, c'est une bonne saison. À voir, à suivre. Donc, non, c'est vraiment, pour vrai, en tant que fan, c'est vraiment des belles séries. Même la ronde de. Tu sais, il y a eu la série Thetford-Saint-Georges qui s'était terminée rapidement, mais même la ronde quart de finale, tu sais, des 3 de 5, deux séries sur 3 qui se rendent en 5. Là. On chialait l'année dernière qu'il y avait trop de séries courtes, mais à date, on va toucher du bois. Mais ça continue même, on est bien parti. On est bien parti. Yes. Donc, les séries qui sont 1-1 de chaque côté. À quoi s'attendre là, pour les prochains matchs, Dave? Est-ce qu'on va être un petit peu plus calme? On va vouloir se concentrer peut-être un petit peu plus sur le hockey? Est-ce que c'est sûr que là, on a nommé un peu peut-être des joueurs qui étaient hors d'alignement. On espère que tout le monde va être en santé. On va peut-être être plus discipliné, mais je n'ai pas l'impression qu'on va être plus calme. Dans le sens qu'on va vouloir éviter les débordements, mais dans le jeu, je n'ai pas l'impression que ça va ralentir. Je pense que ça va juste aller en augmentant dans les deux séries. Parce que, justement, là, on a eu le meilleur exemple qu'on a eu comme invité, le Jean-Michel Bocduc. Plus les séries avancent, l'équipe qui va vouloir gagner, c'est l'équipe qui va vouloir se sacrifier le plus que l'autre équipe. Mm-hmm. Pour le faire, il faut juste augmenter en intensité. Ce qui fait les belles séries, c'est quand les deux équipes ont la même mentalité, puis c'est ça, ça fait juste un espèce de crescendo. Ça va être à suivre, mais non, moi, je pense que ça va juste aller en augmentant, peut-être avec moins de débordements, parce que justement, on veut éviter les suspensions, là, mais je n'ai pas l'impression que l'intensité va ralentir. Yes. Je vois un peu Denis là, qui est dans le chat, là, mais ça quand même dire un petit mot sur les 3L. Là. On n'était pas là. Le match a eu lieu après le podcast la semaine passée, mais on a éliminé également le Cool FM. Mm-hmm. On a gagné le premier match là, de la série contre Laval également. Ouais, on n'en a pas parlé, mais ouais, vas-y, excuse. Les 3L, ça joue du bon hockey, là, c'est sur une bonne lancée. Ce n'est que de la remontée de Laval, là, de la dernière partie, on aurait pu être 2-0 également. Ouais, puis tu sais, on n'en a pas parlé justement parce que les demi-finales sont déjà commencées, mais quel match qu'ils ont joué dans le match suicide contre Saint-Georges, avec une domination. C'était pas de Sébastien Auger, ça aurait été fini avant la troisième période. Là. Donc, les 3L qui sont en mission vraisemblablement. Donc, ça va être à voir si Laval va réussir à répliquer. On parlait de blessure aussi. J'ai absolument aucune idée là, parce que j'ai aucune nouvelle par rapport à ça, mais je suis quand même intrigué de savoir si Maxime Massenauer pourrait peut-être revenir avant la fin des séries. Ça aussi, c'est un gros morceau à Laval. Sûr, Danick Paquette, lui, n'était pas là le week-end dernier. Va manquer le match vendredi, mais va revenir samedi. Avec, là, c'est un morceau important à Laval. Justement, un des retours là, qui a été quand même assez bénéfique, celui dans le match contre le Cool FM, Tristan Pomerleau là, avait fait son retour. Ben, je pense qu'il y a eu trois passes en plus de ce match-là. Très impliqué également, avait joué un bon match. qui revenait là, d'une blessure suite à la mise en échec, mais est un joueur important également. Puis, toi, elles ont démontré toute l'étendue de leur talent, de leur rapidité. Là, puis... les joueurs qui se démarquent, Alexandre Angers connaît vraiment connu une belle fin de saison, mais tiens, une éclosion en série. Saint-Cyr qui marque encore des buts, Guillaume qui a deux gros buts en fin de semaine, qui joue bien. Non? Les joueurs qui doivent produire chez les 3L produisent. Fait que je pense pour ça qu'on connaît du succès. Yes. Sinon, on a-tu peut-être un petit quiz en terminant? Question, oui. Moi, pour ceux qui je me suis inspiré de j'étais dans la vie de tous les jours, je suis quand même un bon fan de lutte. Je me suis inspiré de WrestleMania qui avait lieu en fin de semaine. Oh. Et, dans le fond, Cody Rhodes là, qui a fini son histoire, là, qui est comme qui était comme l'histoire là, qui racontait, parce que ça faisait longtemps qu'il était après le titre. Ça m'a inspiré. Je voulais savoir des joueurs qui sont encore qui jouent encore présentement dans les séries. La ligue qui font de la lutte? Ouais, non, pas les joueurs qui font de la lutte, mais quel joueur? C'est,
Je me demande c'est quoi le parallèle. Je me demande c'est quoi que tu allais nous sortir. Le parallèle, c'est quel joueur a la chance de finir son histoire cette saison. Donc, quel joueur ça fait le plus longtemps qui est dans la Ligue sans jamais avoir remporté la Coupe, qui aurait la chance de la remporter cette saison. C'est là que je me suis inspiré le parallèle. Donc, voilà ma question. Intéressant, intéressant. Donc, c'est le joueur là, des équipes qui restent, là, des quatre équipes, qui n'a jamais gagné, qui est là depuis le plus longtemps. Oui, exact. Qui aurait la chance de gagner cette saison. François Poliquin qui dit Loïc Marcotte. Non, Loïc Marcotte est dans... Il y en a plusieurs qui sont à peu près dans la même, je dirais, celui que Marcotte, c'est depuis 2018-2019, je pense qu'il est là. Donc, ils sont comme dans la même, disons, depuis ce temps-là, là, depuis 2018. Il y en a un qui vraiment se démarque, là, que ça fait vraiment longtemps. Parce qu'ils ont gagné en 2016, ou ça. Fait que, puis il ne reste pas gagné en 2016. Fait que c'est quasiment tous des nouveaux joueurs. Brisebois aussi, qui est un des derniers. Là, lui, il est rentré en 2017-2018. Fait que ça fait depuis 6-7 ans. Ben, 7 ans. Fait que, donc, maintenant, c'est pas 6 ans. Alexandre Picard aussi, qui est sorti de Alexandre Gagné. Non, c'est plus longtemps que ça. Le joueur, là, ça fait... On parle pas d'un 6-7 ans. Le Denis Arsenault dit Medley, mais il me semble que Medley a déjà gagné. Ça, il a gagné. Je vais vous donner un indice, il joue pour Laval. Oh! Yann Sauvé, non. Yann Sauvé est là depuis 3 ans. Ça ne doit pas être Derek Parker. Il doit avoir gagné justement des années à Jonquière. Il a gagné justement en 2013 à Jonquière. Rapproche, par exemple. Chris Cloutier. Chris Cloutier. Ouais, hey, Jonathan Jeannette. Ouais, qui est au courant, c'est son coéquipier. Jonathan Jeannette qui a écrit d'abord. Ouais, ben oui, c'est Chris Cloutier. Il n'a jamais gagné la Coupe à sa 18e saison dans la Ligue nord-américaine. Il a passé proche à quelques... Moi aussi, j'aurais aimé que c'était encore le bien, Michel Bougeau. c'est Chris Cloutier. Donc, à sa 18e saison, là, passé proche, était avec Sherbrooke l'année juste avant que Sherbrooke gagne la Coupe. Même chose pour à Saint-Georges. J'étais à Saint-Georges juste avant que Saint-Georges gagne leur première Coupe. Mais non, pas encore gagné. Donc, Vieux-Lavieille, ça fait longtemps qu'il est là. Il risque d'être un des premiers qui va recevoir le trophée si Laval gagne. Un vétéran qui a jamais gagné et tout. Seulement, c'est dans les premiers qui sauvent la Coupe. Donc, à suivre. On a beau l'aimer ou le détester, Chris Cloutier, par son style de jeu, quand même donné beaucoup à la Ligue à travers toutes ces années-là. Et là, depuis longtemps, si Jonathan Joannette le dit peut-être rapidement comme ça, c'est peut-être un mot d'ordre également dans le vestiaire de. Ouais, j'imagine. On le fait pour Chris ou quelque chose de même. Jean-Michel Bolduc, il disait, c'est quoi de la violence, mais de l'intelligence? Peut-être qu'il y a. C'était moins de violence, plus d'intelligence. Ouais, quelque chose de même. Peut-être qu'il y a également un slogan pour Chris Cloutier, je sais pas. Essayez d'en trouver, là, si vous avez des idées dans le chat, vous pouvez les écrire. Elle brûle pour point comme ça. Ouais, non, c'était bon, ça. All right. Donc, sur ce, ça termine cette émission de ce soir, la 25e de cette saison, de notre troisième saison du podcast. Donc, en pleine série, en pleine demi-finale, en pleine série et match chaudement disputé. Donc, ça promet pour la suite, ça, c'est quelque chose que je peux vous garantir. En tout cas, aller dans une arena près de chez vous, je pense que vous ne serez pas déçus. Yes, OK. Ça, c'est clair.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Yes, merci Dave, merci au TIFF qui est venu nous faire un beau témoignage. Oui, là, qui nous a fait une fleur pour sa retraite. Très important également pour moi, le TIFF qui soit venu ce soir. C'est un bel honneur qu'il nous a fait. Ouais. Et également Jean-Michel Bolduc, donc la légende des Marquis là, qui était généreux avec nous, nous a parlé des bonnes vieilles séries. Comment est-ce qu'on faisait ça dans le temps? Donc, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, ça a été intéressant. Sur ce, faites attention à vous. Au retour à la maison. Au revoir. Merci.